Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons, adorons le nom, adorons le nom de Jésus, adorons le nom du Seigneur. Jésus est le même, lui toujours le même, adorons le nom du Seigneur. Seigneur soit béni. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 119. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Nous lisons la parole du Seigneur. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ils marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur et en apprenant les lois de ta justice, je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Amen. Abrite-moi.
Merci notre Père, merci vraiment pour ta présence qui ne fait jamais défaut. Tu as dit, tu l'as déclaré, tu as fait la promesse que tu seras avec nous, et cela tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous te remercions pour cette présence glorieuse, mon roi, qui nous rassure en tant que pèlerins sur ce chemin dans lequel nous sommes, Père, et qui nous donne réellement aussi la foi, l'assurance que nous atteindrons le port, mon bien-aimé Père. Parce que toi qui nous as appelés, tu veilles sur nous, mon sauveur. Nous voulons nous laisser entre tes mains, Seigneur, être conduits par toi et inspirés par ton puissant Dieu et enseignés aussi par toi, mon bien-aimé Père Saint, pour que nous marchions comme toi tu le veux, mon sauveur. Merci du fin fond de notre cœur, Père Saint, Dieu, pour la grâce d'être encore ce matin dans ces lieux, Père, la présence de ton peuple, Père Dieu, qui est venu de loin comme de près pour se retrouver en cet endroit. Et nous te disons vraiment merci, Père. C'est toi seul qui attire ceux qui sont à toi, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, parce que au fin de notre cœur, nous entendons réellement l'appel qui retentit pour que nous puissions nous retrouver afin de pouvoir aussi, Père Dieu, te louer, Père, et t'exalter aussi, Père Saint, comme David voulait dire que je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans ces lieux, Père Dieu, où tu nous parles, tu nous instruis, tu nous montres la voie, comment marcher, comment te servir encore davantage, mon roi. Je te remercie, Père Dieu. Merci vraiment pour tout l'amour que tu nous témoignes, Père Saint-Dieu, pour tout ce que tu fais, par ta présence divine, par ta parole à toi, Père Dieu, au travers des dons que tu as encore, Père Dieu, déversés en ces lieux, Père. Je te remercie pour cela, Père, et priant aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion et qui sont attachés à cet endroit, parce qu'ils reconnaissent comme étant aussi le leur, au bien-aimé Père Saint-Dieu, qui soit vraiment béni et associé à ce que tu fais en ces lieux, bien-aimé Père. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom pour cela, mon bien-aimé Père. Merci encore pour la force et la santé que tu nous as donnée, Seigneur. Béni soit ton nom pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci encore pour la joie du cœur encore d'être encore dans ta maison. Car j'ai ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon et combien il est aussi agréable de pouvoir aussi nous
retrouver dans la maison du Seigneur pour célébrer son nom et glorifier ce Sauveur qui nous a aussi délivrés et nous a aussi donné aussi la paix. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous, ou tous qui êtes rassemblés en ces lieux, et ceux-là aussi qui sont aussi rassemblés dans les endroits aussi éloignés, chez eux, dans les ceux qui sont aussi bénis aussi. Combien nous réjouissons encore de pouvoir avoir ce souffle de vie et de pouvoir réellement nous tenir encore dans ces lieux et dans la présence de notre Dieu, implorant toujours son soutien, son secours, pour qu'il continue de pouvoir agir et nous conduire encore, parce que nous avons besoin d'un guide. Il est notre guide, il est réellement aussi notre consolateur et aussi notre conseiller, comme nous l'avons entendu dans sa parole. Nous nous réjouissons de ce que réellement que c'est lui qui touche le cœur et dispose les choses de telle que, de telle sorte qu'effectivement que nous aussi nous puissions davantage nous donner à lui avec un élan profond de cœur pour réellement aussi marcher conformément à sa volonté, comme David l'a dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il exprime effectivement un désir qui vient de lui et non une obligation, mais vraiment la joie et les désirs profonds parce que lui-même, il dit que il trouve que les préceptes du Seigneur sont donc ses conseillers. Il réalise effectivement l'importance de pouvoir les avoir, les garder et surtout de se conformer à cela, effectivement. Et il dit de ceux qui s'écartent de sa loi, de la loi du Seigneur, de sa parole, qu'ils sont donc des maudits. Et cela, c'est ce qui est écrit effectivement aussi dans les Saintes Écritures et comme il l'exprime aussi d'une manière effectivement aussi claire. Et cela témoigne effectivement la profondeur du cœur de l'amour lorsque on trouve effectivement combien Dieu est bon et qu'on voudrait effectivement aussi expérimenter davantage la joie de pouvoir continuer à pouvoir les servir et surtout de s'accrocher à lui. Il est bon notre Dieu, il est aussi merveilleux dans sa façon de pouvoir faire les choses et de conduire effectivement les choses. Il est la sagesse même. C'est vraiment merveilleux. Une grâce, un privilège pour l'homme qui découvre et reconnaît effectivement aussi la prééminence de ce Dieu dans sa propre vie. Et il est vraiment un conseiller dont nous avons tous besoin. Et alors aussi, il ajoute effectivement qu'il est un soutien et aussi un secours pour chacun de nous, effectivement, dans le temps de la détresse. Donc, nous remercions notre Dieu pour sa présence continuelle, effectivement, dans notre vie de tous les jours, et la joie qu'il nous donne, et la paix aussi qu'il nous donne, effectivement, de pouvoir être aussi ses fils et ses filles qui doivent être sûrs et certains que, aussi longtemps que le Père est vivant, nous vivons aussi. Et puisqu'il agit aussi, nous agissons aussi, effectivement. C'est cela notre assurance, effectivement, de pouvoir réellement être parmi ceux-là que lui-même, il a eu à pouvoir se choisir. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Amen. Qu'il vous fortifie et vous soutienne. Qu'il vous donne vraiment un cœur soumis, amen, un cœur bien disposé à pouvoir non seulement entendre, mais aussi recevoir la parole, effectivement, du Seigneur, notre Dieu. Je prie aussi pour que le Seigneur vous donne aussi la patience et la compréhension nécessaire des choses qui lui veut réellement aussi nous donner. S'il y a un temps où nous avons vraiment besoin d'entendre la parole de Dieu, c'est vraiment un temps comme celui-ci. Parce que c'est un temps vraiment de confusion, un temps où le diable s'est vraiment levé mais avec une colère pour pouvoir réellement chercher à pouvoir décimer et détruire complètement. Alors il nous est vraiment nécessaire à nous aussi pour que nous puissions davantage être prudents, mais surtout aussi, le Seigneur l'a dit aussi pour nous, effectivement, soyons prudents dans notre façon de pouvoir marcher aussi et d'observer, surtout que nous réalisons que nous avons affaire à un adversaire, comme le Seigneur l'a dit, malin, rusé, mais nous avons besoin de la sagesse, de l'intelligence de notre Seigneur pour que nous puissions échapper à tous les pièges, effectivement, qu'il place et qu'il va placer, qu'il essaiera par tous les moyens de pouvoir aussi pousser ceux qui sont de Dieu à tomber dedans. Nous prions pour que le Seigneur nous aide vraiment à demeurer et profondément attachés à ce que lui-même il a eu à pouvoir réellement aussi nous recommander. Nous sommes heureux de ce que nous réalisons qu'il nous a vraiment
fait cette promesse. S'il n'avait pas fait cette promesse, nous serions le plus malheureux parce que nous ne saurions pas comment avancer. Non seulement il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais il a dit aussi, je vous enverrai les consolateurs. Non seulement cela dit que je serai aussi avec vous tous les jours. Alors quelle grâce et quel privilège de pouvoir avoir un sauveur comme ceci. Alors, comme cela, Saint-Denis, de qui aurais-je donc peur, effectivement, et si Dieu donc est pour nous, qui sera donc contre nous? Donc, notre objectif, c'est aussi que nous soyons sûrs et certains que le Seigneur, notre Dieu, est vraiment avec nous. L'histoire du salut est en train de pouvoir se clôturer. Le monde ne le voit pas. Mais déjà, il y a ce qu'on appelle la terreur et l'angoisse dans le cœur de tout le monde. Parce qu'ils ne savent pas comment sera le lendemain. Ils ne savent pas effectivement comment les choses vont se passer. Mais alors, c'est le grand désespoir. Ils essaient de pouvoir s'accrocher à des choses, effectivement. Mais ils voient que toutes ces choses-là, effectivement, sont futiles. Aujourd'hui, nous pouvons dire merci, Seigneur, de ce que tu nous as vraiment accordé cette grâce de pouvoir voir les choses comme toi tu veux que nous puissions le voir. Comme l'a dit, heureux donc sont vos yeux, parce que vous voyez ce que vous voyez. Et vos oreilles, parce que vous entendez ce que vous entendez. Le problème, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce que je vois. Et aussi, qu'est-ce que j'entends. C'est cela aussi la différence. Lèvons-nous donc, nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. C'est cela, oui. Matthieu 27, nous commençons avec par le verset 1, il nous dit. Matthieu, chapitre 27, verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent donc conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent donc et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était donc condamné. Je le dis verset 3. Alors Judas, qui l'avait donc livré, voyant qu'il était donc condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Mais que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs le ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Amen. Maître béni, nous nous inclinons devant ton trône de grâce avec révérence. Nous nous souvenons certainement, comme David a pu le crier, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, Père. Qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oh mon Dieu, je te remercie encore pour cette grâce, ce privilège que nous avons de pouvoir nous tenir encore dans ta maison aujourd'hui. Et Seigneur, c'est vrai, ces lieux, je ne l'ai pas choisi. Mais c'est toi seul qui as eu à pouvoir le choisir pour que nous puissions y être, mon bénémoine Père Saint. Je te suis vraiment reconnaissant pour cela, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai, tu es celui qui fait ton choix et qui veut et qui fait ce qu'il veut, Seigneur. Merci encore pour ce privilège d'y être encore et de pouvoir nous rassembler afin de pouvoir réellement aussi entendre ta parole, mon sauveur béni. Nous l'avons lu et je t'implore la grâce, mon roi, c'est toi qui es l'auteur de ta parole.
Et c'est toi qui as permis que cela soit écrit pour notre inscription au sabbat. C'est pour ça que je t'en supplie, viens nous parler, Père Dieu, enfin que ça soit toi, que ça soit ta voix, parce que c'est un temps où nous avons vraiment besoin de pouvoir simplement t'entendre, toi, mon bien-aimé Père Dieu. Nous tous, nous avons besoin de pouvoir réaliser combien, Seigneur Jésus, tu es capable de pouvoir encore parler aujourd'hui, de pouvoir encore agir aujourd'hui. Nous te supplions, je te demande pardon pour tous les péchés, les manquements, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin que tu te sentes, toi, l'auteur, celui qui conduit, Père Tibisson, que rien ne puisse t'empêcher, mon bien-aimé Père Saint, de nous parler comme tu veux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pas comme l'homme penserait. Je t'en supplie, enlève ce qui est dans l'homme, dans l'esprit, dans la pensée qui est conçue par l'homme lui-même, mais donne ce qui vient de toi, de ton Esprit Saint, afin que nous puissions avancer comme tu le veux, Père. Je te remercie pour cela, car je t'ai ainsi demandé cela, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un tableau douloureux et triste, effectivement, de voir comment les choses se sont réellement passées. Nous lisons les choses qui ont été écrites par ceux qui ont eu à pouvoir être des témoins. Ce n'est pas une histoire comme on parle dans les Saintes Écritures, que ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Et c'est ce que l'apôtre Pierre le dit effectivement, et me dit, mais c'est comme ayant vu donc sa majesté de nos propres yeux. Ils ont été donc des témoins, comme je pense dans le livre de Luc, il a été dit, je crois que Luc les rappelle bien aussi ici. Nous pouvons lire dans Luc au chapitre 1, si on prend cela, Luc au chapitre 1, je pense qu'à partir du verset 1, il dit, « Donc plusieurs ayant donc entrepris de composer un récit des événements qui se sont donc accomplis parmi nous, suivant donc ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus donc des ministres de la parole, il m'a aussi donc semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses. » Donc effectivement, que ce sont des personnes qui ont été des témoins et qui ont eu à pouvoir réellement aussi prendre part à toutes ces choses-là et qui ont eu à pouvoir réellement aussi nous apporter en réalité ce que, et c'était donc la volonté du Seigneur pour que ces choses-là soient donc écrites. Et le Saint-Esprit a eu à pouvoir veiller que les détails, effectivement, que les tableaux complets soient réellement aussi donc donnés. C'est pour ça que vous verrez qu'en lisant les évangiles, effectivement, ici il y a une partie, puis l'autre partie est donnée ici, des détails qui sont ici, il n'y en a pas là-bas, il y en a là-bas. C'était en fait, selon en fait la vision par laquelle le Seigneur plaçait chacun. Et que dans l'entièreté, maintenant, on puisse voir en réalité aussi le tableau donc complet. Et Dieu a veillé effectivement à ce que les choses nous soient rapportées d'une manière fidèle, pour que nous soyons sûrs et certains que nous n'avons pas reçu quelque chose qui a été donc transformé d'une certaine manière. Parce que l'esprit humain, quand il rapporte quelque chose, parfois il ajoute. Mais Dieu, notre Seigneur, a veillé à ce que les choses soient ramenées, rapportées d'une manière fidèle. Comme cela était donc passé, parce que lorsque vous participez à quelque chose, le Saint-Esprit peut vous rappeler même le moindre détail, comme si vous êtes encore dans l'action à ce moment-là. Et c'est pour cela qu'il a donc veillé. C'est pour ça que vous voyez que ces quatre évangiles ont été donc aussi représentés par les quatre êtres vivants, effectivement, que vous voyez leur position, ils sont donc autour du trône, veillant à ce que rien ne puisse passer pour arriver au trône, sans que ça passe d'abord par eux. Ce sont donc les gardiens du trône. C'est pour que vous compreniez, que nous comprenions l'importance, effectivement, de ces quatre évangiles que nous lisons, afin que vous sachiez que ce ne sont pas des histoires, mais c'est une réalité à laquelle le Seigneur lui-même a veillé. Quand on parle du Seigneur, c'est le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre et toutes ces choses qui existent, effectivement, et qui aussi, quand il a voulu parler, il a parlé.
il voit aussi, comme il a aussi des yeux aussi pour pouvoir voir. Alors, ce sont des choses qui ont été vécues. Et alors, nous ont été rapportées effectivement pour que nous aussi, nous puissions prendre part et que nous comprenions en réalité ce que c'est Dieu a eu à pouvoir faire pour chacun de nous. Et qu'il est réellement aussi la volonté de Dieu en réalité. Vous avez remarqué que lorsque nous l'avons lu l'écriture, effectivement, et vers la fin, on nous dit effectivement que, ici, je crois que c'est là, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. C'est ici pour que nous puissions réaliser tout un chacun de nous de l'importance et de la valeur de la parole de Dieu qui a été donc annoncée. C'est-à-dire que nous devons avoir confiance et nous assurer effectivement que ces choses, effectivement, qui ont été écrites, peu importe en réalité ce que l'homme peut arriver à pouvoir penser lui-même. Mais Dieu, comme il avait dit à Jérémie, parce que c'est Jérémie qui l'a déclaré ici, il dit, moi je veille sur ma parole. Et nous voyons que cette parole qu'effectivement que Jérémie a eu à pouvoir prononcer, où elle était parmi les écritures, effectivement, d'autres paroles que le commun des mortels ne pouvait pas prêter attention, parce que c'est-à-dire qu'il devait prendre les potiers à l'époque, effectivement, qu'il devait acheter les potiers, vous connaissez pas si vous avez lu cela, effectivement, dans Jérémie. Donc, effectivement, ça passait comme une chose tout à fait normale, comme vous allez en fait dans les conversations, effectivement, dans un événement tout à fait naturel dans cette époque-là. Mais en fait, ça peut figurer quelque chose. Et Dieu qui a donné cette parole, effectivement, il en connaissait effectivement aussi la portée. Donc c'est pour que nous comprenions que réellement que nous sommes pas appelés à pouvoir effectivement juger ou certainement Dieu et penser à la parole de Dieu, penser à venir ceci. Non, nous sommes appelés, nous en tant que croyants, nous disons bien les croyants, à simplement croire. Pas discuter, pas dire que moi je pense ceci, peu importe ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce que toi tu penses en tant qu'humain. Mais ici, il s'agit de la parole de Dieu. Dieu traitant avec ses croyants. Alléluia. Il n'a pas à traiter avec des incrédules. Non, Dieu traite avec le croyant. C'est pour ça que la Bible le répète toujours, lui-même le dit, le juste, lui, il vivra par la foi. Donc si c'est un juste, effectivement, qui vit par la foi, il doit avoir la foi, effectivement, dans la parole de Dieu. Donc il a confiance, effectivement, dans la parole de Dieu. Donc c'est comme cela que doit être, effectivement, la position et la condition d'un fils de Dieu et d'une fille de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il ne va pas penser, non, moi je pense que ceci ou cela, ceci, je pense comme ceci, non. Il a dit, si Dieu l'a dit, comme il a dit là, même si je ne comprends pas, alors laisse-moi simplement faire. Amen. Alléluia. Mon frère et ma soeur, on n'a pas besoin qu'on nous explique. On a besoin simplement de croire. Amen. Et quand on croit, alors Dieu explique sa parole. Amen. Parce qu'il te montre qu'il l'accomplit. Ici, effectivement, les gens pouvaient avoir lu, chacun pouvait avoir sa façon de penser, d'interpréter, effectivement, et tous sont passés à côté. Personne ne veut penser, effectivement, que cela concernait un point, un événement assez précis, aussi important. Qui pouvait penser que dans les 30 cycles d'argent, effectivement, il était question de fils de la perdition? Personne. Mais Dieu le savait. Il savait, non, il est parfait. Chaque parole que Dieu a prononcée, effectivement, dans les saintes écritures, mon frère et ma soeur, croyez-en, cela va s'accomplir dans le moindre détail. Parce que Dieu ne parle pas en l'air. Il n'est pas un homme comme moi qui peut parler, effectivement, puis qui peut changer après. Non, il faut qu'on comprenne cela. C'est pour ça, il faut arrêter de discuter la parole de Dieu. Quand Dieu a dit A, disons A. Si tu vas ajouter ton B, c'est ton problème à toi. Mais cela démontre, effectivement, il est très bien. Regardez ce qui est aussi surprenant. Ce que ces hommes ici, comme nous l'avons entendu, n'étaient pas des païens, c'était donc des croyants. Où c'est, mais en Israël. Israël n'était pas n'importe quel pays, frère et soeur. Un pays que Dieu lui-même a choisi. Amen. Ni bien, un pays où coulent les laits et les miels. Donc c'est vraiment, et quand même, ils sont allés dire, mais c'est le pays comme Dieu l'avait dit. Donc effectivement, c'était le lieu que Dieu avait choisi. Donc, quand Dieu choisit quelque part pour toi ou te place à un endroit, sois heureux. Amen. Peut-être à tes yeux, c'est pas beau, mais à ses yeux, c'est l'endroit qu'il faut que tu sois. Tout est question de laisser conduire par le Seigneur. C'est pour ça qu'on dit, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors si tu es conduit, alors sois heureux.
Quand Dieu conduisait les enfants d'Israël, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas assez sages d'intelligence, ce peuple. Ah oui, le problème est là. Le problème n'a jamais été avec Dieu. Quelle joie, quelle garantie, quelle assurance que savoir que Dieu nous conduit. Mais il ne pourra jamais terminer dans un chemin d'égarement. Parce que Dieu ne peut égarer personne. Il est lui-même la lumière. Il est lui-même la vérité. Il est lui-même le chemin. Frère, comment peut-il t'égarer? Alléluia! Ce qui veut dire que je suis sous sa conduite. Parce que c'est pour ça qu'on puisse acquérir même la sagesse intelligente. Parce que si on comprend qu'il est le chemin avec la vie, pourquoi je dois m'éloigner de lui? Pourquoi chercher mes petits chemins à gauche et à droite? Pourquoi? Parce que le chemin est là qui m'amène dans le bonheur. Frère, c'est vrai. Et ça dans tous les domaines. Il faut qu'on puisse acquérir la sagesse et l'intelligence pour comprendre, mais c'est vrai quand même. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais où veux-tu que j'aille? C'est le même chemin-là qui me dit, mais il dit, regarde les oiseaux du ciel. On dit, bah, ah, il faut trouver des petits chemins pour faire. Non, il dit, mais regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père, lui, il est nourri. N'était pas prendre soin de vous. Il prend soin de vous. Mais vous allez pouvoir aller puisque les oiseaux du ciel. Qui passe ça? Tout ça, il nous l'a dit. Ah, peut-être qu'on va, j'ai pas mon travail, je vais trouver un petit chemin. Ne cherche pas un petit chemin. Amen, amen. Tu n'as pas besoin d'un petit chemin. Il y a un chemin là. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Vous êtes fatigués, chargés. Venez, venez. Je vous déchargerai. Je vous donnerai du repos. Frère, pourquoi j'ai des petits chemins? Il y a un chemin là. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. La Bible n'est pas une histoire. La Bible est une réalité, et c'est vrai, frères et sœurs. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait la preuve, c'est que tu te regardes toi-même. Même si on peut dire que c'est pas vrai, je ne sais pas, mais regarde toi-même où tu étais avant. Et ce que tu es devenu aujourd'hui. Ça, c'est pas un homme qui peut te changer. Ça, c'est pas un homme qui peut faire cela, c'est pas possible. Aucun homme peut te changer, mon frère, ma soeur. Parce que toi et moi, nous sommes dans l'iniquité. Nous étions des chiens, on est devenus des hommes. Qui l'a fait? Personne ne peut le faire. Il fallait qu'il y ait quelque chose de surnaturel. Au moins, crois au changement que tu as. Que si Dieu n'existait pas, je ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi ne doute pas, frère. Dieu est vivant. Il est capable de faire des choses extraordinaires dans ta propre vie à toi. Parce qu'il t'a changé déjà. C'est pour ça que nous devons être conscients de l'action de Dieu. Et alors nous nous posons la question de pouvoir savoir comment est-ce que c'est Dieu à pouvoir avoir à faire un changement dans ma propre vie. Mais vous vous souvenez de la source, vous dites, mais c'est parce qu'il a entendu la parole. Et la parole me dit, venez à moi. Et il a dit cela, et puis j'ai cru en lui. Si tu crois, Seigneur, tout ça, j'ai mais par sa parole à lui, chaque fois que je croyais, mais j'ai réalisé effectivement qu'un changement s'est passé. Donc tu es censé, toi frère et toi sœur, d'avoir confiance dans ce que Dieu dit, dans sa parole. Voilà pourquoi nous disons que la Bible est notre absolu. Parce que c'est par cette Bible ici que Dieu a fait des grandes choses dans notre vie. Nous étions des stériles. On n'a pas bu de médicaments. Non! Juste simplement l'imposition de main. Alléluia! Et nous avons conçu. Les bébés malades dans les seins de maman. On n'a pas mis de médicaments. On a simplement prié. Frère, on a vu ces changements. On a vu ces miracles. Les messieurs disent, mais ce n'est pas possible. Nous disons, la Bible dit, toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est écrit. Donc on n'a pas écrit un chimère, non. On a écrit à ce qui était écrit. Nous avons besoin de ceci. Mais ils ont ceci et cela dit, mais Seigneur notre Dieu, voici, voici. Et quand tu as prié, Dieu t'a donné exactement ce que tu voulais. Nous disons pas ça pour faire plaisir, mais nous savons que non, 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 non. C'est pour ça, Psaume 119, David dit, mais je sers ta parole. Il dit même, tes préceptes à toi, oui, sont mes conseillers. Je vais parler, prendre conseil à gauche et à droite, par exemple, chez les psychologues, chez les psychiatres, chez ceci et cela. Non, ils sont tous eux-mêmes malades. Un psychiatre, il a un problème. Oui, un psychiatre, il est quand même un peu fou quelque part.
À force de côtoyer les fous tous les jours, de parler, tu deviens aussi fou quelque part. Et toi, tu vas consulter un fou. Je voulais considérer. C'est la vérité, frère. Il te dit comment faire, comment agir, comment tu dois avancer. Oui. Il dit, moi, la salle des conseils m'appartient. C'est dans la Bible. Proverbe chapitre 9. Nous pouvons les lire. Regardez très bien. Regardez très bien. Je crois que c'est cela dans les Saintes Écritures. Un proverbe, je pense que nous allons retrouver que nous puissions. Oh, mon frère et ma soeur, nous avons un Dieu qui veille, qui a toujours veillé sur nous pour que nous puissions véritablement avoir ce qui est nécessaire. Pas autre chose. Et c'est cela ce qu'il dit. Dans Proverbe chapitre 9, je pense, parce que nous allons le trouver. Et ça, c'est quand même important pour nous, parce que parfois on regarde à gauche, on regarde à droite, on a l'impression que oui, que l'herbe du voisin est toujours meilleure que l'autre. Mais non, cette herbe que Dieu nous a donnée, c'est toujours bon. Oui, bien sûr. Voilà, c'est cela, oui. Attendez, oui, c'est possible dans Proverbe, parce que ça, oui, c'est ça, oui. Attendez, oui, c'est petit. Oh. Voilà, c'est Proverbe chapitre 8, pardon. Et voilà, c'est cela, oui, c'est cela, oui. Eh bien, dis donc, okay, voilà. Et il dit, nous pouvons. Il faut commencer par chapitre 8, verset 1. Il dit. Attendez, bien, je prends peut-être à votre ici. Ça leur dit, regardez, vous permettez juste un moment, je dois juste prendre votre version ici, pour que nous puissions entrer dans la même condition. Voilà. C'est cela, oui. Voilà. Proverbe chapitre 8. Il est déjà là. Je sais ce que je dois lire ici pour que nous lisions ensemble de la même manière que vous. Voilà. Verset 1, il dit, la sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée de chemin qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur de portes. Ici, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que j'écris. Et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Et n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez donc mes instructions à l'argent. Et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux donc que les perles et la plus de valeur que tous les objets de prix. Vous vous souvenez, non? Job 28. Moi, la sagesse, je pour demeure les discernements. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Le conseil et le succès m'appartiennent. Amen. Il dit, je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, le roi règne et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi, gouverne effectivement le chef. Il dit, les grands et tous les justes de la terre, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont donc la richesse et la gloire et les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture, ainsi de suite. Donc, je nous dis bien ici, effectivement, qu'il dit, oui, dit, mais les conseils, les succès m'appartiennent. Et c'est cela que nous devons donc comprendre. La grâce et les privilèges que Dieu nous a donc accordé de pouvoir avoir réellement une richesse extraordinaire. C'est sa parole. Cette Bible que vous tenez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne disons pas que seulement que la Bible est notre absolu pour peut-être faire genre aux gens. Non, pas du tout. Parce que j'ai expérimenté dans ma propre vie que ce livre ici est la vérité. Je n'ai pas connu un autre livre qui peut dire quelque chose de vrai. Non, 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 monsieur. Sur la terre, il n'y en a aucun. Sur la terre, ce sont donc des histoires que les gens ont racontées. Dans les religions, vous savez tout ça, vous en avez déjà parlé ici. Mais il n'y a aucun livre dans lequel tu peux trouver la vérité. Depuis l'origine jusqu'à la fin, dans lequel il n'y a pas d'erreur. Non, monsieur, ça ne se contredit pas depuis le début jusqu'à la fin.
Ils ont eu des auteurs tout à fait différents que Dieu a utilisés à gauche et à droite. Ils pouvaient se tromper, par exemple, Esaïe là-bas, Jérémie, par-ci, mais tous ont parlé la même chose. Jamais l'un contredit l'autre. Frère et soeur, c'est le livre, on peut avoir confiance. Que ce qui est écrit là, Dieu a témoigné. En disant, pour que vous sachiez que c'est moi qui parle, il a pris Élie là-bas loin, l'autre là-bas loin, et quand les deux parlaient, effectivement, on remarque, mais ils sont loin, mais ils ont parlé du même Dieu. Et que leur parole ne s'est contredit jamais. Par contre, ça s'est complété de plus en plus. Ça, tu ne peux pas trouver des auteurs différents qui ont écrit à gauche et à droite. Il y a des contradictions, même chez les scientifiques. Celui-ci dit, ah, l'autre il dit, mais pas chez les hommes de Dieu. Je parle bien des prophètes des Saintes Écritures. Pas de contradictions. Ce que Esaïe a dit, c'est ce qu'Élie a dit. Ce que Jérémie a dit, c'est ce qu'aussi Habakkuk a dit. Amos a dit, c'est que tout cela pointe dans la même direction. Oui, monsieur. Oui, madame. Comment ne pas avoir confiance? Quel autre livre, je peux dire que c'est un absolu. Les autres, il y a des erreurs, mais ici, il n'y a pas. Quand Dieu a dit, il a dit, c'est l'absolu. Et quand nous croyons ce qui est dit là-dedans, c'est terminé. Voilà pourquoi nous disons que la Bible est notre absolu. Amen. 100% absolu. C'est-à-dire que si c'est notre absolu, il ne peut pas y avoir notre absolu. Il n'y a toujours qu'un seul absolu. Voilà pourquoi que tous les saints et les prophètes, quand ils parlaient effectivement, ces référents disent toujours, voici mon absolu. Ils ne pouvaient jamais dire que non, ma prédication à moi est mon absolu. Jamais. Non, messieurs, et vous me regardez en étant silencieux, mais c'est la vérité. Pour quelle raison? Dieu a dit que tout homme soit reconnu pour... Et que Dieu se soit connu. C'est la Bible, non? Vous le croyez, non? Alors, quand on dit que Dieu se soit connu pour vrai, moi, je ne suis pas la parole. Mais Dieu est la parole. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que c'est ça le grand problème avec l'esprit humain. Ces hommes-là, Matthieu 27, c'était des principaux sacrificateurs. Les gens qui connaissaient les Écritures, effectivement, d'une certaine manière ou d'une façon, effectivement, nous l'avons lu tout à l'heure, ce n'étaient pas des païens qu'on a trouvés en Égypte et qu'on a amenés qui ne connaissaient que Pharaon. Non. Non. Et en plus, pour être principal, sacrificateur, ainsi de suite, effectivement, il faut descendre la lignée de Lévi. Pas de la famille de Pharaon. Non, pas du tout. Non. Lévi, c'est le fils de Jacob. Comme ça, tu veux des doutes. Et c'est ça. Chacun de nous doit comprendre, frère, que on ne peut pas jouer en fait dans ce. Parce que nous jouons avec notre propre vie et notre propre destination. Quand on fait confiance à ses pensées, quand on fait confiance à soi-même, moi, je. Tu n'es pas Dieu. Amen. Je préfère, moi, m'agenouiller, m'humilier, que Dieu puisse avoir. Mais c'est vrai qu'il est la prééminence. Frère et sœur, nous allons. Que Dieu te bénisse, frère. Regardez très bien, frère. Regardez ce qui est frappant. Pour dire que ne jouons pas avec Dieu, ni avec les choses de Dieu. Et c'est vers un peuple qu'on a considéré comme étant, mais c'était parce qu'ils n'ont pas été choisis. Non, dans la tribu de Lévi que Dieu avait choisi. Et qui faisait leur office. Mais quand Dieu lui-même, alléluia, qui a eu à pouvoir instaurer effectivement cette sacrificature. Gloire à Dieu. Oh, voilà quand la pensée de l'homme intervient dans les choses de Dieu. C'est toujours très important. Quand tu es dans le service de Dieu, tu n'as jamais été considéré plus que Dieu. Parce que tu te prends toi-même à ce moment-là comme si sans toi rien ne fait. C'est là le grand danger. C'est sans Dieu, rien ne peut se faire. Pas sans moi. Moi, je suis qu'un homme, je passerai. Mais le Saint-Esprit ne passera jamais. Je vous rappellerai toujours, mon frère et ma soeur, pour que vous puissiez comprendre et entendre ce que nous allons entendre. C'est nécessaire. Ce qui a fait que cet archange qui était vraiment, oh, il était vraiment puissant. Oh, bon, comme je dis, mais le jour où il a été créé, mais avec Paris, donc, mais c'était extraordinaire.
Mais qu'il soit passé de cet écran, Jésus puissant. Vous devenez un démon. Des choses ici mentent, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour que vous puissiez comprendre et voir réellement la chose qui paraît simple, mais elle est grave. Juste l'orgueil, mon frère. L'orgueil, l'orgueil. La chose de laquelle tu prends comme si c'est rien. C'est pour ça qu'il est tellement malin qu'il va toujours venir agir sous ton toit. Qu'est-ce que toi tu crois que tu vas te laisser croire ces choses? Tu vas te laisser entraîner. Oh, tu vas devenir vieille. Hein? Mais il va te toucher là. Observez très bien ce que vous êtes. Certainement, c'est vrai. Il va toucher ton orgueil. Tu vois, mais tu vas être comme ça, tu vas t'habiller comme ça en plus. Mais regarde, mais tu es encore. Mais les gens vont plus te regarder. Oui, bien sûr. Il sait comment te convaincre en fait à pouvoir accepter tout ce qui est contraire à ce que Dieu vient de dire. Parce que pour que toi tu acceptes la chose divine de Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose de spécial, spirituel au-dedans de toi. Parce que frères et sœurs, la parole de Dieu est spirituelle. La loi est spirituelle. Toi et moi nous sommes charnels. Comment un homme charnel peut accepter tout ce qui est spirituel? Non, c'est un combat. Et là, c'est là qu'il intervient Satan. Il dit, mais toi, regarde. Et ton intelligence entre en scène, effectivement. Mon frère et ma soeur, la prédication de la parole de Dieu est très importante pour les croyants. Mais il faut que vous appréciez par les hommes véritables de Dieu, frère. Alléluia. Parce que les prédicateurs tuent les âmes. À cause de la prestance que les hommes apprécient. Mes frères, tu veux t'apprêter à apprécier, mais tu tues les âmes. Mais on ne travaille pas avec Dieu, on travaille avec des démons. Le problème aussi, c'est toi. Quand Dieu te parle, effectivement, parce qu'il y a deux choses, hein. Dieu te parle ici et Satan aussi vient aussi t'envoyer dans ta tête et venir dans la contradiction. Bien sûr que oui. Souvent, la plupart du temps, on penche toujours vers ce que les démons nous disent. Il ne faut pas mentir, parce que les démons savent qu'ils touchent votre chair. Il va te mettre un pas à t'élever. Vu que toi, regarde, tu vas t'abaisser sur ces points-là. On va plus te regarder, toi, le plus beau, le plus joli. Et tu vas être comme ça, tu vas devenir. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Regardez une chose qui est extraordinaire, c'est deux enfants. Hein? Il y avait donc, il y avait Abel et il y avait Caïn. Vous voyez, l'offrande que Abel a eu à pouvoir offrir à Dieu, ça, je ne crois pas quel est l'homme sur la terre qui peut regarder cela et apprécier. Certainement que probablement que le diable leur inspire en disant que, tu sais, oh, il faut quand même apporter quelque chose qui soit bien visiblement, qu'on apprécie bien, et ceci et cela, et vous comprenez cela? Alors il a commencé à pouvoir travailler son esprit, sa pensée, et tu vas te laisser aller comme ça, toi. Non, non, fais quelque chose qui soit bien, qu'on voit effectivement. Eh bien, parce que avec Caïn, ça a marché. Il a fait quelque chose de tellement beau, de visible là. Des choses qui sont là, qu'on voit tellement jolies. Quand on met sur la table, on apprécie avec, bien sûr. Et quand tu prends ce que Abel a apporté, je ne crois pas que quelqu'un parmi vous aussi va dire, mais ce monsieur va dire, mais il est fou. Il apporte du sang, il apporte ça. Vous le direz. Vous direz, vous ne vous ferez même pas cas de cette personne-là. Parce que vous trouvez il n'a pas une bonne prestance, il ne montre pas tellement très bien. Et si Caïn vient avec tout ça, ce qui est joli, vous allez l'accepter. Vous voyez, mon frère et ma soeur, notre façon de pouvoir voir les choses eux-mêmes, apprécier les choses, est vraiment différente. C'est ça qui fait le combat, la lutte en vous. Il faut que vous connaissiez l'adversaire que nous avons. Si vous ne le connaissez pas, vous pensez que vous servez Dieu, mais alors que vous le servez vraiment à 100%. Il ne viendra jamais à vous pour dire « je suis le démon », non. Il va venir à vous comme étant un ange de lumière, et puis quelqu'un qui vous donne des bons conseils. Tu vois, si tu fais ça, on va quand même... Et ceci, cela. Et toi, tu dis oui, c'est quelque chose qui marche avec toi. Parce que quand la parole de Dieu vient, pouf! Tu dis non, s'il est dur, c'est pas ça, c'est cela. Non, pensons que et Dieu, il est bon, il est tendre. Il va faire passer les choses. Oh!
Et c'est ça, la grosse erreur. Ah, c'est comme ça qu'il va toujours faire passer les choses. Hein. Et toi, tu acceptes très bien. Il va bien travailler dans ton esprit, dans ton imagination, en fait. Et comme je le disais, effectivement, c'est ça le grand problème qui vous passe, en fait. Et que beaucoup de compromis que vous faites, effectivement, que Dieu nous aide, nous allons y arriver. Et c'est nécessaire que vous sachiez. Regardez, pardon, pour ne pas rester, regardez très bien. Donc nous disons que c'était vraiment des Lévites. Des gens qui étaient censés pouvoir rester avec les Écritures et vraiment veiller à ce que le peuple de Dieu puisse entendre et sans y faire partie, effectivement, de leurs pensées, mais donner au peuple ce que Dieu veut. Ils étaient là pour ça. S'ils n'avaient pas ajouté, vous direz, mes frères, quoi? Mais vous vous souvenez quand même, vous avez oublié. Il dit, le Seigneur leur a dit, non, vous avez annulé les commandements pour donner les traditions. Vous suivez toujours la parole de Dieu? Ils sont venus dire, mais pourquoi? Il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les traditions, vous annulez donc les commandements de Dieu pour vos traditions. Et c'est comme ça que c'est parti. Et comme on a eu à pouvoir mettre la parole de Dieu à côté, qui est devenu le chef? Parce que ta parole est une à mes pieds et une lumière sur, et vous l'enlevez, il n'y a plus de lumière. Ah, c'est sûr et certain, vous l'enlevez. Peu importe que vous soyez, c'est pas moi le plus grand, le plus je sais pas moi qui dit plus petit. Vous enlevez la parole de Dieu, la Bible, et vous êtes tenté de pouvoir dire, madame, vous. Frères et sœurs, c'est fini pour vous. Hein? C'est si la lumière. Ma parole à moi n'est pas la lumière. Non, sa parole. On ne pourrait jamais dire, oui, ma parole à moi est une lampe à mes pieds. Ou la parole d'Esaïe, je ne sais pas moi, vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez bien ce que je veux dire? La parole d'Esaïe ne peut pas être une lampe à mes pieds. Mais ainsi parle l'Éternel d'Esaïe. Vous voyez la différence? Et là, on comprend. On comprend très bien ce qu'il en est parce que ce soit moi, que ce soit Esaïe, que ce soit tout cela, effectivement, nous avons toujours été conçus de l'iniquité. Mais la grâce divine que Esaïe, Jérémie ou que ce soit Élie ont eu à pouvoir recevoir, c'est que leur cœur était ouvert au Seigneur. Et quand Dieu est venu en eux et qu'il les a choisis, effectivement, ce domaine-là de l'esprit, de l'intelligence de l'homme qui doit intervenir a été bloqué. Bien sûr. Je vous ai toujours rappelé cela pour que vous puissiez bien comprendre parfois. Vous écoutez, mais vous êtes toujours raisonnant. Vous dites, mais comment est-ce possible? Mais c'est vrai. Parce que comment un homme qui réfléchit peut se tenir devant tout le monde et dire que voici une vierge qu'on conservera? On va dire, mais il est fou cet homme. Puis il continue, il ne s'arrête même pas, il continue. Elle enfantera un fils, pas une fille. Un fils nous donnera le nom de Manuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Il commence d'abord par une chose qu'on appelle une folie par les hommes. Une vierge. Maintenant, enfin, tout le monde sait qu'une femme qui a conçu ne peut plus jamais être appelée vierge. Et toi, tu ne parles qu'une vierge va concevoir. Ce serait une folie, non? Donc, c'est pour dire que si un homme réfléchissait, si les prophètes réfléchissaient, ils ne prononceraient pas cela. C'est que quand il est saisi par l'Esprit du Seigneur, bloqué. Maintenant, il dit des choses qui, humainement parlant, s'il était humain, il n'allait pas pouvoir les dire. Donc, nous comprenons effectivement qu'il y a ce domaine, cette dimension, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, place, effectivement. C'est pour ça que nous disons, effectivement, que quand il dit ainsi parle l'Éternel, nous savons que ce n'est pas ainsi parle Jérémie, ni ce n'est pas ainsi parle, effectivement, Moïse. Non, ça, nous savons que là, Dieu est en action. Et quand Dieu dit, alors nous savons. Effectivement que c'est cela, effectivement ce que le peuple doit arriver à pouvoir dire. Donc, nous comprenons que c'est donc Dieu, notre Seigneur, comme nous pouvons arriver à pouvoir aussi réaliser ce que nous avons besoin de pouvoir être dans une position comme les Saintes Écritures le disent, que nous comprenions, que nous réalisons que ça c'est de Dieu, c'est que Dieu veut, et que sans qu'on puisse être dans l'obligation, comme je le répète souvent ici, mais sentir le besoin urgent dans le cœur. Si ce besoin est urgent dans le cœur de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique, ce que nous réalisons que nous sommes dans le plan de Dieu. Parce que dans ce plan-là, tu étais compté pour que cette chose-là, quand ça viendra vers toi, tu l'acceptes.
Mais quand tu es toujours en arrière, c'est qu'il y a un problème. Alors nous voyons, et ce sont donc les sacrificateurs, donc des Lévites, des gens qui devaient arriver à pouvoir voir et surtout avoir la connaissance des choses de Dieu, et qui devaient rester, pas donner en fait leurs interprétations, leurs traditions effectivement au peuple. Une fois qu'on enlève la parole de Dieu et qu'on ajoute quelque chose d'interprétation, effectivement, ce n'est plus la parole de Dieu. Ça devient autre chose. Alors nous comprenons que si ce n'est plus la parole de Dieu, alors ça devient maintenant quelqu'un d'autre qui entre en scène. C'est comme cela qu'on est aveuglé, on est dans la confusion, on ne sait plus tellement très bien. C'est pour ça que le peuple disait, mais n'est-ce pas lui le Christ? Est-ce qu'il a été grandi? Et il disait, non, ce n'est pas lui. Donc le peuple disait, mais quand on le voit, devons-nous, Camille, tu vois encore quelqu'un d'autre? Oui, non, pas lui, il ne faut pas croire en lui, effectivement. Mais non, le peuple était dans la confusion. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans la confusion. Et qui amène la confusion, c'est jamais Dieu. C'est pour ça que quand ils sont arrivés à ce point-là, ils disent, comme nous disions, celui-même qui a eu à pouvoir instaurer qu'effectivement qu'il y ait la classe des Lévites et tout ça, ce que les Lévites pouvaient faire effectivement pour sacrifier, effectivement. Mais quand il lui-même est entré en scène, c'est lui pour qui ils étaient là. Parce que les Lévites existent parce qu'ils sont pour servir Dieu. C'est lui pour qui ils étaient là, qu'ils offraient des sacrifices, les culpabilités par-ci, par-ci, par-là, le sacrifice pour le peuple, pour ce Dieu-là. Donc ils étaient là pour servir Dieu. Mais maintenant, quand ces dieux-là dont ils ont prétendu servir, pour lesquels ils étaient là pour servir, quand il est venu effectivement là dans cette forme humaine, il ne peut pas dire que non, c'était pas possible de pouvoir quand même réaliser qu'il était quand même Dieu, puisque vous pouvez bien. Vous savez, quand quelqu'un est de Dieu, il est de Dieu. Vous pouvez ne pas l'aimer. Vous pouvez ne pas l'apprécier. Mais au fond de vous, non. Tout de même, il doit être de Dieu. Même s'il n'est pas de mon obédience, mais il va quand même être des dieux. Ça, c'est quand même. C'est comme ça qu'ils sont venus de nuit dans Nicodème. Nicodème est venu. Il dit, nous savons. Donc tous les juifs là. Parce qu'il était lui le chef des juifs. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. J'aime ce Jésus, mon frère. C'est sa façon d'être et d'écouter les gens quand tu lui parles, même quand tu jettes des fleurs. Il ne tombe jamais dans les pièges. Hein? Non. Il aime tout le monde. Mais il est dans une position, vous ne pouvez même pas le pencher là ou ici. C'est ça la joie que nous avons. D'avoir un maître tellement doux, tellement bon, mais que vous ne pouvez pas transformer à votre façon, frère. Peu importe tout l'or que vous pouvez lui répandre à ses pieds, et ceci et cela, ce n'est pas cela le problème dont il a besoin. Et cela, quand Nicodème est venu lui dire, voilà qu'il dit, mais tu es un docteur venu de Dieu. Ils l'ont reconnu. Ils le savaient. Et même vous pouvez imaginer, vous pouvez quand même pas imaginer, mais vous le savez effectivement. Quand ils étaient encore là, ces stades-là, où ils étaient en train de commencer à voir le grommelé d'abord, ainsi de suite, pour trouver les moyens, ils lui ont envoyé les gardes pour qu'on puisse aller l'arrêter. Vous vous souvenez? Ce sont eux toujours, et c'est vrai, c'est Kakasi qui est là, qui allait l'arrêter effectivement parce qu'il ne voulait pas qu'il prêche. Et voilà, ils sont arrivés. Ils l'ont trouvé faisant le travail pour lequel il était destiné. Le véritable, le vrai. J'aime Jésus. Vous savez, il dit ces jours-là, il me dit, mais Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que je fais toujours ce qui te plaît. C'est ce que les Lévites devaient faire. Toujours, parce qu'ils étaient là. En plus, Dieu les avait donné tout. Ils étaient là pour servir Dieu. C'est qu'ils devaient veiller à ce que seulement c'est la volonté du Seigneur soit faite. Non, c'est autre chose qui s'est fait. Alors, c'est comme cela que quand ils l'ont trouvé, ils ont voulu saisir. Mais quand ils l'ont entendu dans son service, eh bien, ils sont rentrés. On leur a posé la question, pourquoi vous n'avez pas arrêté? C'est les témoignages des hommes. Qui vivent avec eux tout autour là, qui voient tous les saints, tout ça, et qui sont des saints, ils disent, mais non. Ils l'ont déjà écouté quand même. Ils avaient écouté Caïphe, ils avaient écouté Anne, ils avaient écouté tous les saints, tous ceux qui étaient dit, ils avaient déjà écouté, parce que les gardes étaient toujours avec eux. Mais ils leur ont dit, jamais, jamais,
homme n'a parlé comme cet homme. Frère, mais c'était Dieu lui-même. Ces gens devaient trembler en disant, mais les gars devaient nous dire que nous, ce que nous avons chez nous ici, c'est bon. Il dit non. Il dit, cet homme, il est différent. Et même, nous avons parlé de cela la fois passée, je pense que c'était dimanche passé, lorsqu'il est arrivé là où Lazare était donc enseveli, effectivement aussi. Tout le monde avait ce témoignage. Dans Jérusalem, on savait très bien, et tout le monde était connu parce que c'était une famille qu'on connaissait, mais tout le monde savait que cet homme ici, il était Lazare était mort depuis des années. Enfin non, depuis des jours, 4 jours ont passé. En plus, il était tellement pourri, Lazare. Donc ça, jamais, aucun prophète. On n'a jamais entendu que de tous les prophètes qui sont sortis, effectivement, jusqu'à Jean, il n'a jamais eu un prophète qui soit tenu devant un corps mort, pourri, décomposé, et qui l'ait ramené à la vie. Chose pareille ne s'est jamais passée. Mais Jésus s'est tenu là. Tout le monde savait, tout le monde était convaincu que ceci et ci et ci était impossible parce qu'il n'est qu'un prophète. Mais il n'avait pas bien regardé. Il était le Dieu prophète. Le Dieu des prophètes, c'était lui. C'est lui qui a fait des hommes des prophètes. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais regardez quelle humilité il était pour montrer la différence entre Satan et lui-même Dieu. Dieu humble, mon frère. C'est là qu'on voit un fils de Dieu, une fille de Dieu, dans l'humilité. On nous dit qu'il ne s'est point arraché d'être égal à Dieu. Mais il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est humilié. Mais toi, soeur, toi, frère, vous devez tellement que Dieu nous aide. Et il s'est tenu là. Ils ont dit, mais comme il est comme tous les autres prophètes, vraiment, ça ne va pas. Vous savez, il va simplement pleurer et puis il va rentrer. Il dit non. Il ne t'ai-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Il dit, oui, je crois comme tous les prophètes, mais je n'ai jamais. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est jamais passé par l'esprit de quelqu'un. Parce que la sœur de Lazare a dit, mais il sent déjà. Il fallait ce témoignage-là pour que nous puissions comprendre. Il sent déjà, donc effectivement, il n'y a plus rien. Alors là, il faut vraiment que, en tout cas, on ne peut même pas arriver à pouvoir espérer que quelque chose dans ce bas monde puisse encore être fait pour lui. Seulement quand on sera de l'autre côté. Mais c'est Jésus-là a voulu lui prouver quelque chose. Qu'il était le créateur. Les cieux et la terre. Il a démontré à tous les hommes, à tout Israël, Amen. Que lui, il était réellement le Dieu qui crée. Amen. Ces jours-là, il a démontré. Amen. Parce qu'il s'est tenu. Ce n'est pas qu'il ait pris quelque chose comme ça, dit, bon, on va d'abord le frotter, mettre comme ceci pour cela. Non. Il s'est tenu debout. Juste là où il était, effectivement, il dit, mais Lazare! Il a crié, on dit, mais Lazare sort. La Bible dit, il dit et la chose arrive. Il a parlé et la création a eu lieu. Le cœur, le foie, tout ce qui était détruit. Mais cela est revenu par la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, il a prouvé cela. Et Nicodème aussi a eu à pouvoir, elle-même aussi, elle a dit que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire. Si donc Dieu n'est avec lui, dont le témoignage était rendu. Même par les gardes qui étaient venus, effectivement aussi, ils ont rendu le témoignage. Donc ces gens-là, vous pouvez comprendre que non, c'est Jésus n'est pas comme tous les autres. Et c'est comme cela que, quand ils sont donc, ils l'ont pris, et la Bible nous fait comprendre qu'effectivement, que il cherchait certainement à le faire mourir.
Et cela, vous savez, je sais que la question que Ponce Pilate a posée quand il voyait effectivement l'acharnement qui était donc à l'endroit de ce Jésus, il pose la question, mais on veut faire mourir, on peut faire mourir quelqu'un parce qu'il nous a volé, il a fait beaucoup de choses effectivement qui sont mal. Mais dit, mais c'est Jésus de Nazareth. Quel mal a-t-il réellement fait pour que vous désiriez tous sa mort? Mais même pas rien. Oui, mais c'est pas possible quand même. Vous êtes des conducteurs du peuple d'Israël. Mais vous désirez la mort de cet homme ici. Pourquoi? Parce que il leur avait dit, hein, vous pouviez régler ces problèmes chez vous. Et pourquoi vous me l'amenez? Parce que ça concerne effectivement les choses qui vous concernent, effectivement. Mais pourquoi vous me l'amenez à moi? Vous voyez, mon frère et ma soeur, la parole de Dieu est une parole qui s'accomplit dans tout le moindre détail. C'est comme cela qu'on l'a amené. Et voilà que dans Matthieu 27 que nous avons lu, nous pouvons lire, continuer effectivement ensemble. On nous fait part ici d'une chose tout à fait particulière. Regardez. Il nous dit, verset 2, après l'avoir lié, ils amenèrent donc les livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Vous connaissez, non? Verset 3, chose surprenante alors. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Donc c'était donc l'argent est venu de principaux sacrificateurs. Et aux anciens, ceux-là qui conduisaient le peuple d'Israël. Ah oui, bien sûr que oui. Et ce sont ceux-là qui avaient donc décidé de vraiment aussi les tuer. Et maintenant, voilà qu'ils retournent pour leur donner de l'argent. Il dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta donc les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Je voudrais que vous prêtiez attention à ceci. Ce Judas est allé vers les principaux sacrificateurs et les anciens. Il a regretté l'acte qu'il a posé. Alors, parce qu'il dit ici, il s'est repenti, rapporta donc les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant les saints donc innocents. Donc, Judas l'Iscariote. Je veux que vous prêtiez attention. Judas l'Iscariote. Il s'est lui-même rendu compte qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Et puis il dit, j'ai péché. Il dit, j'ai péché, effectivement. Il dit, là. Il dit, en livrant les sangs innocents. Alors, je vais vous poser la question. Quand un homme reconnaît qu'il a péché et qu'il se répand, n'est-ce pas? C'est nécessaire que vous compreniez cela. Il reconnaît qu'il a péché et qu'il se repent. Qu'est-ce qui se passe? Ce que Dieu pardonne. Je veux que vous compreniez cela, mon frère et ma soeur, pour que vous arrêtiez de jouer. Vous avez peut-être une connaissance des choses de Dieu qui sont en train de dire c'est comme ça, ça se passera comme cela. Mais ce matin, je veux que vous prêtiez attention. Parce que vous pensez pouvoir connaître Dieu. Vous pensez pouvoir connaître les saintes écritures, les choses qu'on vous dit, nous on connaît parce qu'on a eu, Dieu nous a envoyé. Frères et sœurs, nous ne connaissons pas encore Dieu.
Et on est appelé à pouvoir apprendre à connaître le Seigneur. Parce que Dieu est un Dieu tout à fait particulier. Si on reste dans la théorie que toujours comme ça, parce qu'ici, c'est un problème. Oui. Judas l'Iscariote. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est dans la Bible. Attention, c'est important. Hein. Il s'est repenti. Il a même rapporté les 30 pièces. Il dit, mais j'ai même livré les 100 innocents. Je m'en repens. Mon frère et ma soeur, vous venez toujours dans cet endroit. La parole de Dieu vous est toujours apportée. Et Dieu vous montre comment vos frères, vos soeurs, vos jeunes filles, jeunes hommes, effectivement, comment vous devez vous tenir, comment vous devez vous habiller en tant que fils et filles de Dieu, bien sûr. Mais observez-vous. Comment vous réagissez en rapport avec la parole de Dieu qui vous est apportée? Pensez un tout petit peu, effectivement, en se posant la question, en disant, mais Seigneur, quand j'entends la parole, comment est-ce que je réagis? Parce que le diable vient lorsque la parole de Dieu vous est apportée, il vient maintenant aussi ajouter aussi sa part. Alors, vous posez-vous la question, on doit savoir, dans ce que je viens de pouvoir entendre, par rapport aux Saintes Écritures, tout ce que Dieu m'a dit, effectivement, quelle est la part que moi je prie? Judas l'Iscariote, depuis les débuts, était toujours avec le Seigneur. N'avait-il pas vu? N'avait-il pas entendu? Quand Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, Judas était là. Partout où le Seigneur passait, multipliant les pains, ceci et cela, effectivement, prêchant l'évangile. C'est important, mon frère et ma soeur, pour ne pas que vous marchiez toujours avec l'illusion. Il a toujours été là. Judas était toujours là. Judas a entendu, effectivement. Bien sûr. Même les jours où il a dit, celui qui mange ma chaîne et boit mon pain, mange ma chaîne et boit mon sang, tous sont partis, effectivement. Judas est resté. Pour montrer aussi qu'il était un disciple qui croyait, effectivement, Judas est resté. Vous savez, je ne vais pas rester longtemps. Dans le livre des Hébreux au chapitre 10, Hébreux 10, lisons avec vous. Hébreux au chapitre 10, nous y sommes, voilà, je vais y arriver, c'est tout, d'accord. Voilà. Voilà. Hébreux au chapitre 10, vous connaissez cela à partir du verset 1 qui nous parle effectivement, dit, tu n'as voulu sacrifier enfin, vous connaissez cela, non? Tu m'en offres encore. Mais non, verset 19, il nous dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Vous voyez, d'abord il s'agit d'un cœur sincère. Chacun de nous doit avoir un cœur sincère. Parce que si on n'est pas sincère, on se trompe soi-même. Et le diable est là-dedans. Il va travailler, il dit que cet homme ici, cette femme, elle n'est pas tellement assise. Quand on pêche, elle n'est pas là. Pour elle, effectivement, elle voit, moi, il faut qu'on me... C'est tout ça, il sait, il voit. Vous savez, c'est par vos actes, effectivement, Seigneur, c'est vrai cela. Il dit, parce qu'il faut qu'on puisse avoir un cœur sincère. D'abord, un cœur sincère et droit. Alors, il continue. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. N'est-ce pas? Le cœur, purifié d'une mauvaise conscience. C'est cela, mon frère.
quand déjà on a déjà au fin fond de soi ces désirs aussi impurs, cette façon de voir. Oui, bien sûr, chacun de vous le sait. Donc quand cela est déjà à l'intérieur du cœur, alors c'est à ce moment-là que le diable aussi saisit l'occasion. La parole t'est apportée effectivement, mais toi déjà dans ton cœur, comme tu as déjà des pensées aussi immondes, aussi par exemple, pudicité, c'est tout cela, mais ça va sortir. Comme vous savez, c'est-à-dire que quand vous gardez toutes ces choses dedans de vous, parce que la parole de Dieu te dit, et toi tu n'écoutes pas ce que la parole de Dieu te dit, tu continues, il n'y a pas de problème. Mais regardez bien, il dit quoi? Et le corps lavé d'une eau pure. Vous connaissez l'eau pure, non? Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Pour exciter quoi ça, la querelle? Non. Et c'est ça le problème. Chacun se dit non, chacun son, il peut faire ce qu'il... Non. On veille sur les uns sur les autres. Nous répétons toujours ici, l'enfant de mon frère, c'est mon enfant. L'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. Ce que tous nous disons. Est-ce que nous disons, mais maintenant, va un peu reprendre l'enfant de ton frère. Parce que nous sommes censés veiller les uns sur les autres. Va reprendre l'enfant de ton frère. Va reprendre l'enfant de ta soeur. Regardez la réaction de ta soeur ou de ton frère. À ton endroit. Qui a repris l'enfant de ton frère ou de ta sœur. Vous étiez bien, vous entendez bien avec votre sœur ou votre frère, vous parlez, vous payez. Mais quand vous reprenez son enfant, vous allez voir l'attitude que la sœur va avoir à votre endroit, ou le frère lui-même va avoir à votre endroit. Vous posez la question, mais je suis en guerre avec toi. Non, parce que tu as touché son enfant. Mais ton enfant, tu as dit quand même, c'est le mien. Donc si je vois que cet enfant qui est aussi le mien, il ne marche pas bien, je peux te dire quand même qu'il ne marche pas bien. Il dit, notre enfant ne marche pas bien. Il dit, ah, notre enfant, mais il dit, mais si tu as corrigé, corrige-la. Mais qu'est-ce qui se passe dans la plupart des temps? Le comportement de la personne change. Il ne voit que le mal dans le mien. Et puis il dit, il les tient, il ne voit pas. C'est toujours comme ça. Hein? Ah ouais. Frères et sœurs, nous avons beaucoup du chemin à faire. La lèvre parle plus, mais le cœur, il n'y croit pas, il est loin, éloigné de Dieu. Et pour se plaindre les uns des autres, là, nous avons les diplômes. Pas les certificats, mais les diplômes. Même on a fait la maîtrise et le doctorat, en fait. On a atteint un doctorat, cela. C'est ça le problème. Alors, nous continuons. Il dit ici, veillons dans les uns sur les événements pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire que nous sommes censés pouvoir manifester ces œuvres en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme le Seigneur dit, mais ma maison est une maison de prière et non une caverne de voleurs. On en fait autre chose, frères et sœurs. On est allé plus tellement loin, on se rencontre, on se pose, mais le Seigneur est-il là, mais en fait, mais vous êtes tellement allé loin que vous avez laissé le Seigneur loin. N'oubliez pas, Judas était toujours là. Judas écoutait là aussi. Tu crois que c'est pas la même pour un fils de Dieu quand même, quelque part. Écoutez, bien sûr. On s'est quitté donc aux bonnes œuvres, effectivement. Mais non, verset 25, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Je ne peux pas ajouter. Hein. Ça signifie ce que ça signifie. Amen. Vous avez un frère, vous avez une soeur. Bon, la parole de Dieu est prêchée, effectivement, pas vous voyez, ah, les frères et la soeur, ils ne viennent plus. Vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est en tout cas, bon, je ne suis pas d'accord avec la parole qui a été prêchée. Mais on s'est posé la question de savoir, mais pour que tu viennes ici, dans cet endroit ici, tu es venu comment? Il y en a des seuls qui disent, le Seigneur m'a éclairé, le Seigneur m'a conduit, il m'a vraiment parlé, montrant jusqu'à l'adresse même. Nous disons, gloire à Dieu.
C'est le Seigneur qui t'a montré jusqu'à l'adresse là. S'est-il trompé? Non. Mais c'est le même Seigneur qui t'a dit maintenant de pouvoir rester à la maison parce que la parole qui avait été approchée ne t'a pas plu à toi. Alors je veux... Vous voyez, il y en a de ceux qui sont comme ça. Vous le voyez pendant une semaine et puis une autre semaine, ils ne sont pas là. Et puis, il vient deux jours après, puis trois semaines, il n'est pas là. Il vient encore, effectivement. Et quand vous l'approchez, vous posez la question, frère, ah, frère, j'ai à vous dire, mais vous savez, parfois, il ne faut pas parler. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il a un livre rempli. Le problème qu'il a avec qui? Vous voyez, frère et soeur, quand vous ne vous accrochez pas à ce que Dieu nous dit, les diables, toi, vont te détacher progressivement. Bien sûr, c'est lui, dans le proverbe, celui qui se met à l'écart, cherche toujours ce qui lui plaît. C'est la Bible. Et comme c'est la coutume de quelques-uns, nous devons toujours nous poser la question, effectivement, pourquoi, quel est le but de notre rassemblement? Pourquoi je vais donc à l'Assemblée? Cela vous permettra d'arrêter de vous plaindre de frère tel ou de la sœur telle. Parce que frère tel n'est pas votre salut, sœur tel n'est pas votre salut. Dans ces lieux-là, vous allez pour votre salut. C'est nécessaire. Frères et sœurs, je vous demande de prêter attention à ce que nous entendons ce matin. Vous, parents âgés, vous, jeunes filles, vous aussi, moyens, tous ceci et cela, chacun de vous, cette parole que vous l'entendez à la barre du jugement. Je voulais répéter encore, Judas l'Iscariote, il était là. La prédication de la parole de Dieu, mais venant pas d'un homme comme moi, mais de Dieu lui-même. Qui marchait là, ou même une, la femme au père de sang, dit, je puis simplement toucher. Et pourtant, Judas était là autour de lui. Oh Dieu du ciel, que tu aies pitié de nos pères. Amen. Judas était là, s'asseyant avec lui, effectivement, tout le temps, même touchant, oui, bien sûr. Mais il ne sentait rien. Vous voyez, quand on atteint les formalismes, les habitudes et tout ça. On perd le vue, les surnaturels. Que Dieu te bénisse, mon frère. Les surnaturels qui peuvent se passer au milieu de vous, en fait. Dieu te bénisse. Nous sommes devenus trop charnels. Apaisantis par la chair, mon frère et ma soeur. Nous nous aimions tellement sur la Sainte Écriture, maintenant la différence commence à faire sentir. On aime que celui qu'on sent plus, copain, copine, plus facilement. Frères et sœurs, vous êtes éloignés de la parole de Dieu, en fait. L'amour de Dieu que nous clamons, nous aimons le Seigneur, c'est historique. David l'a dit tout à l'heure, nous l'avons entendu. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Ce n'est pas la sœur ou le frère que je dois regarder, mais c'est toi. Moi, je vais avoir un travail avec toi, Seigneur. Celui vers qui je ne veux pas manquer, c'est vers toi. Je ne veux pas pécher contre toi. Ce que toi, tu me diras, ben, je le ferai. Alors, écoutez bien, il nous dit, nous continuons, il dit, n'abandonnons pas notre rassemblement, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. C'est ce que nous sommes. Hein. Nous sommes dans le temps où nous voyons qu'effectivement que la fin approche. Amen. Alléluia. Et c'est la vérité, frère. C'est la vérité 100%. La fin est vraiment là. Et le Seigneur se tient à la porte. Amen. Et il continue à dire, verset 26. C'est là que je voudrais que vous prêtiez attention. Il dit, car si nous péchons, je répète bien, si nous péchons, volontairement,
volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour... On nous dit bien. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire que tu es assis là, même si tu n'as pas cru à cela, mais que la Bible dit que ceci n'est pas bien, ceci est juste, ceci est faux. Le fait que tu as entendu et que tu sors, tu fais le contraire de cela. C'est important que vous entendiez cela, mon frère. Je ne dirai jamais, oh non, vous avez interprété la parole à votre façon, à vous. Amen. Mais maintenant, la parole s'interprète elle-même. Alléluia. Vous savez ce que Samuel a dit à Saül? Prenons dans 1 Samuel chapitre 15. Il nous dit ici, verset 20. J'aurais aimé qu'on aille un peu plus haut, mais je vais dire quand même ce verset ici quand même. Il dit, verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel, il lui dit, mais je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva donc de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire que Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il se retournait, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu donc auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Vous suivez? Alors Samuel lui dit, « Mais qu'est-ce que c'est que donc ces bêlements de brebis qui parviennent donc à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends ?» Parce que le Seigneur lui avait dit qu'il faut tout vouer par interdit. Mais quand il est parti, son orgueil, pour avoir la prestance, que les gens puissent le voir, tout ça, le peuple. C'est pour ça qu'il dit ici. Je vais sauter quand même là. Il dit, je vais quand même continuer un peu. Il dit, mais Saül répondit, ils ont amené de chez Amalécite parce que c'est le peuple. Parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf, en fait les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête. Et je te déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Et Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Le Seigneur t'a ramassé et t'a placé en tant que roi. Quand même. Et tu veux toujours le monde. Tu veux toujours plaire en fait aux gens dans la rue. Quand tu sors comme ça, on te voit, patati. Mais que Dieu ait pitié de nous. Nous continuons, il dit ceci. Il dit, parce que tout ce que la plupart des gens ont fait, c'est parce que c'est pour plaire aux gens à l'extérieur. Parce que qu'est-ce que les copains, les copines diront quand ils me verront comme ça, je serai comme ça, ils diront quoi de moi, ils diront quoi de mes enfants. C'est ça le problème. C'est ce que vous êtes. Nous continuons. Alors il dit, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement. Samuel dit, lorsque tu étais donc petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Éternel, n'est-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, écoute bien, va et dévoue pas interdit ces pécheurs. Vous voulez toujours vous conformer aux pécheurs à l'extérieur. Vous habillez comme eux. Vous prenez... Frères et sœurs, la Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Il s'adresse à vous en tant que peuple de Dieu. Pourquoi aller toujours ramasser le monde? Pourquoi vouloir que les gens du monde vous voient comme eux? Vous voulez toujours vous faire plaire au monde. Frère, ce n'est pas plaire au monde, il faut plaire à Dieu. Je ne sais pas, frère. Je ne sais pas vous, parents. Je ne sais pas pour maman. Frère, vous tuez vous-même. Écoutez bien, nous continuons. Il dit, va-de-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Amen, amen. Donc, il n'y a absolument rien de monde en vous. Amen. Parce que la Bible dit, hein. Oui, amen. Que Dieu te bénisse. Amen.
Il dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Il a dit, mais soyez saints, purifiés, séparez-vous, effectivement. Il te l'a dit. Pourquoi tu suis toujours la mode à l'extérieur? Pourquoi tu suis effectivement sur le monde? Si les mondains ont l'air façonné, ce n'est pas des mondains. Pourquoi copier toujours le monde, mon frère et ma soeur? Jusqu'à quand clocherez-vous les deux côtés? Frère, peu importe si vous me détestez, il n'y a pas de problème. Mais le jugement est là. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère. Satan a trompé, il continue encore la matin à vous enfoncer. Réveillez-vous. Frères et sœurs, vous savez, ce qui nous attend devant nous, c'est plus glorieux que ce qui se passe dans ce monde, frère. Pourquoi chercher à plaire au monde? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous connaissez cela, non? 1 Jean verset 15, je pense que je me sens rappelé. Voilà. Continuons. Il dit, mais tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les exprimes. Il dit, mais pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Lui, il a dit, tantôt quoi, j'ai observé. J'ai écouté la voix de l'Éternel. Il dit, mais pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sous le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül lui répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoie l'Éternel. J'ai amené Agag et roi Malek, effectivement j'ai dévoué par interdire les Amalécites. Vous voyez, frère, vous pensez que oui, quand on fait comme cela, on fait ceci et cela, ça ce n'est absolument rien, on peut tenir, on a fait grand chose, on va pas dans la boîte de nuit. Hein. Non, faites la boîte de nuit quand même en vous. C'est vous, ici. Voilà, je donne un exemple, hein, qui vous mettez les vidéos, qui vous tapez la même danse que les gens du monde. C'est impensable. Peu importe ce que vous mettez, c'est impensable que vous dansiez comme des gens du monde. Même si vous voulez me dire que c'est un son des cantiques, les cantiques ne vous demandent pas comme ça. Vous avez encore le désir, le goût du monde, en fait. Et pensez-vous que Dieu peut s'associer à cela? Non, monsieur. Non. Je peux, parce que j'ai Jésus, et puis je viens, ah, alléluia. Non, mon frère et ma soeur, ça c'est une abomination. Vous me direz, frère, mais il l'a dit. Soit tu es chaud, ou soit tu es froid. Si tu as les deux, tu vas aller avec moi au ciel. Je te vomirai de ma bouche. Judas l'Iscariote, écoutez la prédication. Judas l'Iscariote, voyez ce que Dieu faisait. Ne vous fatiguez pas, vous. Ne fatiguez pas, vous, ma soeur et mon frère. Vous ne savez pas si en sortant d'ici, en allant chez vous à la maison, si demain vous verrez venir ici. Et si vous êtes condamné, où iriez-vous? Vous avez chanté, nous irons au ciel et que l'enlèvement viendra. Vous ne verrez même pas l'enlèvement. Je continue à lire. Écoutez bien. Il dit. Et il continue. Alors, je ne voulais pas interdire les Amalécites. Et puis, verset 20, il dit. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué. En fait, lui-même, il a interprété. Maintenant, il explique avec son air pour montrer qu'il connaît encore mieux que Samuel, le prophète auquel Dieu avait donné la parole, quoi. Et qu'il lui a dit exactement ce qui doit être fait, comment il doit faire. C'est comme ça, quand la parole est prêchée ici, vous partez chez vous à la maison, vous commencez à pouvoir devenir docteur de vous-même. Vous vous dites, non, de toute façon, c'est pas comme ça, parce que ceci, et ceci, c'est cela, parce que si je veux, d'ailleurs, Dieu ne voit pas ceci. Oh, mais Dieu t'observe. Dieu t'observe. Pensez-vous que Dieu va vous parler pour le plaisir? Non, parce qu'il voit les dangers. Mais tu t'expliques beaucoup de choses. Tu te donnes beaucoup de bonnes consciences, d'une certaine manière. Comme Samuel, Saül. Beaucoup de bonnes consciences. Écoutez bien comment il va finaliser, comment il va finaliser, pour montrer qu'il était tellement spirituel. Écoutez bien. Alors il dit. Mais le peuple a pris sur l'habitant des brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Afin de quoi? De les sacrifier à qui? À l'Éternel, ton Dieu. Où c'est? Est-ce que Dieu avait demandé ça? Qu'on aille faire un sacrifice pour lui à Gilgal?
Vous voyez, quand vous croyez que vous êtes devenu, que sans vous, c'est-à-dire que vous êtes le suprême, la suprême, je ne sais pas moi encore, avec votre conception, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de pouvoir déjà descendre à la tombe. Dieu ne l'avait pas dit d'aller sacrifier, à prendre des prémices, en plus de bien être prémices. Non, quand Dieu a parlé, il dit, mais je me souviens, c'est quand même, il dit, va vous aider, même les petits, même les bébés. Il a dit ça. Il n'a pas dit, prends un peu, va avec un gigal pour dire, non, c'est ça votre problème. Vous avez des conseillers à l'extérieur, vous allez téléphoner, oui, qu'est-ce que tu penses? Mais David a dit quoi? Tes préceptes sont... Donc c'est la Bible, monsieur. Parce que la Bible dit effectivement, mais il faut détourner l'oreille de la vérité, il va donner une foule de docteurs. Selon le démagaison qui ne feront effectivement ainsi de suite. C'est ça le problème. Et nous continuons ici, il dit, voilà. Alors il dit, ça vient à ton Dieu à Gilad. Samuel dit, l'Éternel, verset 22, hein, vous y êtes? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme, écoutez bien, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Vous entendez, frères et sœurs, c'est que le Seigneur notre Dieu, on nous montre ici, hein, trouve-t-il du plaisir dans le l'holocauste et le sacrifice comme dans la voix, dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Et puis, il continue à pouvoir nous dire. Voici donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai fait ça pour l'Éternel, mais l'Éternel t'a dit ce que tu es censé pouvoir savoir comment on va faire les choses. Mais tu as interprété, tu as voulu ramener ça à ta compréhension, à ceci, à cela. Or, ce n'est pas ce que Dieu a voulu dire. Quand Dieu parle, il parle clairement, il a dit, va, vaut pas interdit. Je ne peux pas même pas voir un petit Amalécite, même pas les bébés des Amalécites. Mais tu as eu des sentiments pour le roi, pour les belles choses, effectivement, que tu as vu passer l'attraction naturelle. Tu dis, je vais les offrir à l'Éternel. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous suivez? Amen. Vous suivez? Amen. L'obéissance, eh bien, vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Cet homme était vraiment touché, dit, mais l'observation de sa parole. Nous l'avons entendu, psaume, ça dit, comment les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ses conseils? Non. Conseil de ses copains, de ses copines, de ses amis, de ceci, de cela, gauche et à droite. Non, en se dirigeant selon. Vous le lisez, mais vous ne saisissez pas, en fait. Pourtant, vous écoutez. Pourtant, vous le lisez. La parole est ici, vous êtes quelque part d'autre. Donc, vous voyez l'image des choses, effectivement, selon votre représentation à vous. Et puis, nous continuons. Il dit, verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divinité. » Oh Seigneur, moi je n'avais pas été voir les divins, les sorciers là-bas, pour congéler. Moi je suis une fille de Dieu, moi je suis une fille de Dieu dans la maison. Je louerai l'Éternel. Alléluia. Oui. C'est ce que vous êtes. Je n'ai pas été jusque-là. Seigneur, les gens qui vont voir quel mot, qui vont voir les marabouts de ces six-là, loin de nous, mais toi. La désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Mais écoutez bien ce que la parole continue à vous dire. La désobéissance est aussi pire que la divination. Écoutez bien, et continue effectivement à dire, est coupable de la divination. Et puis, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les graphines. Donc, quand vous résistez, vous voulez montrer que non, on a dit, moi je vais montrer que ceci et cela, ceci et cela. Ah, pas de problème. Je parlais hier, je crois que c'était hier, je pense que c'était hier, et. J'expliquais, j'ai dit, parce qu'on était en train de voir parler, j'ai dit, je crois que je. Bon, je ne vais pas citer le nom, mais enfin bon. Vous savez pourquoi aussi j'arrive à ce moment, si je cite le nom de quelqu'un, ça va poser problème. On m'a cité mon nom, on m'a dit, moi c'est comme si on m'accusait, moi je ne cite pas le nom de quelqu'un.
Vous savez, au fur et à mesure, vous savez, on aime tout, beaucoup les gens, mais parfois, vous vous sentez pas surprise. On peut donner, citer un exemple, on dit, je cite le nom tel, les frères tel, ou bien, je me donne témoignage, les frères commencent après, dire, oh, pourquoi vous avez cité mon nom? Et maintenant, les gens pensent que moi, je suis ici, et cela. Alors, je préfère ne pas citer les noms. Peut-être citer toujours les noms. J'avais un frère que j'aimais beaucoup. C'était le frère Denis, et Dieu le bénisse. Amen, amen. Le frère Denis, il faut se passer avec moi, pas de problème, tu peux citer mon nom tout le temps. Peut-être que je peux citer le nom de Fred. Il est toujours là, président de la bouche. Non, parce que c'est vrai, frère. Je crois qu'on doit quand même avoir des principes. Ce qui est bon, quand en ce moment, ben, les gens se permettent de pouvoir faire un peu, dit, Dieu vous dit d'arrêter. C'est vrai. Parce que c'est que on peut être bon, mais il y a quand même des limites. En certains moments, en fait, effectivement, je pense que c'est nécessaire. Alors, je disais une chose, je dis, ce que vous ne réalisez pas, ce que c'est la manière dont les diables travaillent. Avec les gens de l'extérieur, il sait qu'il les a déjà. Mais avec les enfants qui sont nos enfants, je parlais avec eux, et nos enfants que nous avons ici, ce que les parents ne comprennent pas, c'est ici. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller sur vos enfants. Prenons un exemple. Si vous avez une fille et vous avez commencé à pouvoir laisser porter un pantalon, je donne un exemple. Je parle aux enfants de Dieu. Et commencez à pouvoir porter des pantalons. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il a porté, parce que bon, c'est encore un enfant, jeune exemple. Mais à quel moment vous allez lui dire que le pantalon est mauvais? Vous allez avoir un problème avec cet enfant. Parce que depuis qu'il désirait le porter, vous l'avez laissé. Et puis après, vous lui dites aujourd'hui, non, c'est pas conforme aux saintes écritures. Alors que depuis tout ce temps-là, toi et moi, nous allons à l'église. Alors, remarquez une chose. Je disais, le diable est très rusé, en fait, avec nos enfants, vous aussi également. Il travaille d'une manière tout à fait différente avec les enfants qui sont à l'extérieur. Et ces enfants qui sont à l'extérieur sont acquis à lui. Mais les vôtres ici, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va saisir le vôtre, lorsque vous voyez que votre enfant commence à résister à la parole de Dieu. Si vous dites, ah, c'est quand même un enfant, il ne faut pas être dur avec, vous êtes un meurtrier. Vous n'aimez pas votre enfant. Écoutez-moi bien, frère et sœur, vous n'aimez pas votre enfant. C'est absolument important que vous compreniez cela. Le diable fait en sorte que plus l'enfant résiste, c'est que l'enfant lui ouvre une ouverture. Mais comme le diable sait que cet enfant est l'enfant d'un chrétien, il dit ceci, mais si je le laisse, ou j'agis un tout petit peu, ben, plus tard il va pouvoir aider les autres à devenir. Alors, dès ce moment-là, il va enfoncer plus loin, plus bas encore ses racines, parce qu'il sait que cet enfant ici va grandir, et comme il est de la famille d'un chrétien, alors là, il ne faut pas que je le lâche. Si c'est un païen qui est à l'extérieur, il ne va pas agir comme ça avec cet enfant. C'est simple. Mais le vôtre, alléluia. Le vôtre, alors il faut faire attention. C'est pour ça, si vous les aimez, veillez. Veillez. Je vais vous dire, frères et sœurs, je le répète quand même, je dis, moi avec mon propre fils, vous le voyez, mais vous savez que mon propre fils, jusqu'aujourd'hui, il est soumis, quand je lui dis, ah, Jacob, mon fils, il obéit. Ma fille est là-bas, même dans son foyer. Pose la question. Il dit, ne demande pas, va demander à papa. Papa, quand il vous dira ça, il sait. Quand j'ai dit, ah, vous ne le voyez pas, il fait comme ça, non. Au fond, il sait ce qu'il doit faire. Quand j'ai dit, ah, vous connaissez bien, quand il était petit, je l'ai fait mettre devant la porte. Ça l'a marqué toute sa vie. J'étais sincère et sérieux. J'ai dit, ici, chez moi, là, où tu es ici, si tu n'aimes pas Dieu, tu sors. Je,
Sa maman est ici, témoin. Vous pouvez dire que non, c'est frère. Moi, frère et soeur, je passe. Enfin, bref. Mais j'ai dit, ici, chez moi, c'est soit Dieu ou soit rien. Si tu n'aimes pas les dieux que je sers, tu sors de la porte. Sa grand-mère vivait encore. J'ai dit, tu peux aller là-bas. Jamais tu me verras venir te chercher. Puis ils me connaissent. Hein? Quand j'ai dit terminé, c'est terminé. Tu ne peux plus changer, c'est fini. J'ai dit, tu sors, tu pars. Tu m'oublies. Tu viens avec ta grand-mère, tu fais ce que tu as vu. C'est ta maman laissée. Et l'enfant resté là. J'ai dit, mais puisque tu restes là, donc tu as choisi Dieu. Eh bien, évidemment. Non, monsieur, je ne peux pas. Vous savez, c'est important que nous comprenions qu'il ne faut pas simplement se dire oui, non. Nous avons une responsabilité à l'endroit de nos enfants, de pouvoir les éduquer, leur dire que ça, c'est pas bon. Peu importe ce qu'il veut dire, que non, moi, je vais ressembler à Michael Jackson, pas chez moi. Tu veux ressembler à Michael Jackson, un démon d'ailleurs, ressembler à ces garçons-là, pas chez moi, va vivre dans la famille de Jackson. Mais ici, chez moi, moi et ma maison, nous servirons. Amen, amen. Parce que le diable vise votre postérité. Nous sommes appelés à prier pour le nôtre. Amen. Et ne pas laisser l'occasion à Satan de pouvoir s'introduire de cette manière. Et parce qu'il rôde toujours. Hein. Et c'est notre position dans les saintes écritures qui fait que nos enfants, peu importe, ils savent qu'effectivement, que, ah, là, si je fais ça, ça ne pourra pas passer. Vous vous souvenez, avec ma fille, je vous ai rendu témoignage, quand mon fils Jacob est allé pour pouvoir l'épouser, vous êtes témoin. Bon, pour les anciens. Parce que parfois on va dire, oui, son fils, mais vous êtes témoin. Il est venu ici, papa, ceci, cela, mon bébé, j'ai dit, moi, ça, rien du tout. Il a pleuré, mais il aimait sa femme. Il a pleuré comme on pouvait pleurer, effectivement, il est venu, effectivement, moi j'ai dit, moi, vous le savez tous. Vous savez ce qu'il avait dit à sa future femme? Il dit, je sais que mon papa, jamais il pourra accepter que moi je me marie avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Mais ce que j'ai apprécié, il a, et Dieu la bénisse. Et c'est vrai. Je crois que tout le monde vous la connaissez. Vous n'avez jamais eu un problème avec elle. Hein? Vous voyez, hein? Ok. Alors, c'est que quand il est venu dans mon bureau, il m'a dit, et moi j'aime votre fille, votre fils, pardon, et maintenant je ne peux pas croire en Dieu pour pouvoir l'épouser. Mais c'est ce que je l'ai aimé beaucoup. Hein. Moi, je l'aime, mais moi, je ne vais pas faire autrement, mais croire en Dieu, parce que moi, je ne suis pas convaincu dans mon cas. Moi, j'ai dit, je suis heureux de pouvoir t'entendre, mais moi aussi, pour chez moi, porter les noms et être chez moi, tu peux aussi oublier. Sorti, et mon fils s'y accrochait. Pleurer à la maison, tout le monde sait, c'est sa maman, elle a un papa, il sait très bien. Il dit, mais papa, regarde quand même. J'ai dit, depuis que je n'ai jamais été jamais présenté. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais tu connais la condition. Et il m'a écrit des lettres, il m'a tout fait, effectivement. Mais c'est la vérité, il savait que son père, on ne pouvait pas le fléchir. Ça, il le sait dans son cœur, il sait tout. Et c'est vrai, et je suis resté comme ça. C'est quand elle est venue ici, à l'Assemblée, et qu'elle est rentrée chez elle à la maison, il était là, mais bon, ça ne disait rien, hein, que tu vois, mon bébé qui est là. Il est rentré chez elle à la maison, puis que je lui dis, mais pourquoi tu n'écouterais pas quand même, effectivement, aussi, quand même, puisque c'est quand même sur Internet. Accrochez-vous. C'est comme ça qu'il a eu à pouvoir écouter la parole de Dieu. Et là, quand il a entendu que Jésus est mort, et qu'il a donné sa vie, effectivement, que quiconque croit en lui, donc ce que le Seigneur a fait, son âme a été touchée chez elle à la maison. Et il appelle mon fils, il dit, je vais voir ton papa. Il dit, tu veux voir mon papa, tu connais les problèmes avec mon père. Il dit, non, appelle ton père, ça n'a plus rien à voir entre toi et moi. Amen, amen. Alors, Jacob qui m'appelle, papa, papa, j'ai dit, quoi? Non, mais c'est Déborah, j'ai dit, je t'avais déjà dit, non, pourquoi tu dois me voir encore, pour quelle raison? Non, ça n'a rien à voir avec moi. Ça, c'est quelque chose de particulier. Quand j'entends, je dis, alléluia. Amen. Si c'est ça, alors fais-la venir.
Alors je la vois dans mon bureau ici, elle s'assied là, je la regarde. Elle dit, oh, je suis venu vous voir parce que tu savais comment. Elle est sensible, hein. Elle est très sensible. Puis elle commence à voir un peu les larmes. Elle dit, c'est parce que quand je suis parti, j'étais tellement un peu fâché, je voulais bon, tout ça. Bon, j'ai dit, il ne veut pas que je puisse, tout ça. Bon, j'ai dit, et moi, puis j'ai dit, mais quelque chose me dit, mais pourquoi tu n'écouterais pas quand même l'après-midi? J'ai écouté, j'ai dit, oh, non, 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 non. J'ai réalisé, mais mon Dieu, mais j'allais là-bas rien que pour penser au mariage, mais mon âme n'avait pas Dieu. Et dit, quand j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel. Je viens pour être baptisé. Alors là, vous voyez la le sourire commence. J'ai dit pardon, j'ai dit je viens pour être baptisé. J'ai dit gloire à Dieu, Dieu du ciel. Et bien c'est comme cela que je l'ai baptisé. Ce qui est merveilleux avec elle, c'est que depuis qu'elle est arrivée dans la maison, je lui ai jamais dit ne te maquille pas, ne mets pas de pantalon, ne mets pas de bijoux. Dans le monde, elle était, hein. Mais je ne lui ai rien dit. Du jour au lendemain, plus de pantalon, plus de maquillage, plus de bijoux, jusqu'à ce jour que vous voyez. Voyez-vous, parfois on peut dire, oui, c'est ci, il est ici. Non, mon frère et ma soeur, je crois que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé la grâce de pouvoir faire et de pouvoir agir aussi à l'endroit de nos enfants. Comme vous la voyez là, Dieu m'a donné une fille. Amen. Ça. Je vous l'ai dit ici, hein. J'ai dit à Jacob, j'ai dit, toi, terminé. Là, c'est mon bébé. Et puis après cela, c'est ta femme. Donc quand tu comprends cela, qu'elle est devenue ma fille, donc tu peux vivre comme, je ne sais pas. C'est-à-dire que toi, dans ta pensée, dans ton esprit, c'est fui autre chose. Je dis, mais, parce que comment tu peux arracher mon pauvre enfant de dans ma famille, de la maison, quoi, vous comprenez. Donc elle est dans sa famille, elle est dans sa maison. Donc toi aussi, tu es dans ta famille, tu es dans ta maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Et Jacob le sait. Donc il sait très bien qu'il ne pourra jamais venir et dire, oh, de toute façon, dans sa pensée, ça n'existe plus. Ça pouvait fleurir à ce moment. Mais dans sa pensée, ça n'existe plus parce qu'il dit, c'est impossible. Ah ben, c'est impossible. Donc effectivement, pourquoi? Parce que Dieu a permis que les choses soient ramenées. Nous avons le devoir. Si nous aimons nos enfants, nous avons le devoir de pouvoir y voir, pouvoir les éduquer selon les saintes écritures. Je vais lire une autre écriture pour que vous puissiez comprendre. Dans les livres des Hébreux, regardez. Hébreux au chapitre 6, je pense que c'est cela. Hébreux au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 4. Il nous dit, Hébreux 6, 4, il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, vous suivez, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelé et amené à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Remarquez, frères et sœurs, quand le maître était là, qu'il prêchait la parole de Dieu, Judas était là. Il a dit une parole dans Matthieu chapitre 24. Je pense que c'est cela. Matthieu chapitre 24. Ça doit être là, oui. C'est pour juste cela, oui. C'est Matthieu, chapitre 26, pardon. Matthieu 26, regardez bien. Voilà. Et ça, c'est pendant qu'ils étaient donc assis. Matthieu 26, verset 17. Mais je crois qu'on va lire quand même à partir du verset 20. Il dit, les soirs étant venus, il s'est mis donc à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent donc profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi Seigneur? Il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera.
Verset 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il ajoute en disant, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Vous savez, je voudrais que vous compreniez ces choses, elles sont tellement importantes. Je pense que dans Jean chapitre 19 aussi, le Seigneur a eu à pouvoir dire quelque chose qui est tellement frappant. Je crois que c'est cela. Je pense que... Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Vous savez, verset 6, il dit, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, mais prenez-les vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. C'est chapitre 19, hein? Verset 6, vous y êtes? C'est la même chose que chez vous? Verset 7, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et sur notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Verset 9, il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu ?» Mais Jésus ne lui donna point de réponse. C'est la même chose que vous. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir aussi de te relâcher ?» Vous voyez cela ? Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. S'il ne t'avait été donné d'en haut. » Verset suivant dit, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Vous savez, quand on s'est posé la question de savoir, mais Judas, il s'est repenti. Il a même redonné le 30 pièces. Principaux sacrificateurs et puis aux anciens, tout ça. Il a dit, je fais mal, j'ai répandu les sangs innocents. Nous l'avons lu avec vous dans Matthieu, où il s'est dit, mais il aurait mieux fallu que cet homme ne puisse pas naître. C'est lui qui me livre. C'est lui. Vous savez, c'était une démangeaison, frère et soeur. Je crois que nous pouvons les lire. Et cela, dans Matthieu, je pense, ça, voilà, dans Matthieu au chapitre 26. C'est cela, oui, 26 toujours. Regardez bien. Alors que le maître était là, les disciples étaient là, ils prêchaient, il était là effectivement aussi, et les gens qui étaient touchés par la parole de Dieu venaient à lui. Et tout ça, Judas était parmi tout ça, il voyait effectivement comment. Regardez bien, peut-être lire ça, peut-être un peu cela, peut-être lire à partir, verset chapitre 26, verset 6. Vous avez encore le temps? Amen. Ok. Le verset 6 dit, mais comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit donc le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, mais à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'étant aperçu, leur dit, mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Vous voyez cela? Donc l'acte parfois que l'on pose, on ne se rend pas compte de la portée de cela. Que Dieu vous bénisse. Et il dit, je vous l'ai dit, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier. Il était certain que la bonne nouvelle sera prise dans le monde entier. Peu importe les interprétations, mais la parole serait prêchée.
on racontera aussi à mémoire de cette femme ce qu'elle fait. Nous l'avons fait aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous l'avons fait aujourd'hui. Ça nous a touché tous les vêtements. Et maintenant, le verset suivant, 14, effectivement. Alors, verset 14, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla lui-même vers les principaux sacrificateurs. Il n'était pas content d'être avec le Seigneur, d'être dans la parole, mais il était toujours, il était là, mais il avait un pied aussi à l'extérieur, avec les autres. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous allez chercher à l'extérieur? Écoutez bien ce qu'il a fait. Le sacrificateur, il leur dit, que voulez-vous me donner? C'est ça, hein? Que voulez-vous me donner? Et je vous les livrerai. Donc lui-même, il va. Il va chercher une récompense pour le leur livrer. Parce qu'il ne savait pas comment le détendre. Bien sûr que oui. Vous avez déjà remarqué que dans les Saintes Écritures, quand les apôtres étaient fouettés, flagellés, tout ça, on les chassait, on ne voulait pas prêcher, parce que, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? La Bible dit que quand on les fit sortir pour l'Italie, ils allèrent vers les leurs. N'oubliez jamais ce que ça veut dire, les leurs. C'est-à-dire qu'on doit voir le nôtre dont on est sûr que celui-là ne me taillera jamais. Celui-là, c'est vraiment un frère, c'est vraiment une sœur en Christ. Vraiment, c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est vraiment... C'est... En fait, parce que même si un étranger vient, il va te dire, je donne un exemple, parce que je citais peut-être le nom de... Ton frère là, qui est jambon là, et tu sais ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, tu sais, non, non, non. Et toi, quand tu entends ce qu'il dit, tu dis non, je connais mon frère. Tu protèges ton frère. Tu protèges ta soeur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, que vous réalisez que... Parce que comment est-ce que le diable peut avoir accès à pouvoir venir pour détruire? Mais c'est parce que vous lui ouvrez une porte quelque part. Parlez bien d'un frère, parlez bien soi-disant soeur qui va aller critiquer. Donc il prend, il va à l'extérieur pour dire, oh, vous savez, là-bas, ils font comme ça. Là-bas, c'est. Moi, je vis avec eux. Est-ce que vous avez monsieur? Donc tout ça, c'est-à-dire qu'il faut... C'est pour ça que ceux qui vont parler... Ils vont critiquer, ils ne sont pas les nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Amen. Puisqu'ils ne sont pas des nôtres, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Amen. C'est toujours comme ça que Judas était nos sortir. Et pas effectivement pour aller voir les autres, pour dire mais comment je ferai, comment je livrerai. C'est toujours ça. Les problèmes, comment est-ce que les gens les seraient peuvent nous avancer. Mais c'est parce qu'en fait quelqu'un a ouvert la porte. Il est allé se plaindre chez X, chez Y, et là-bas on a dit, elle a dit, ah, c'est comme, je crois que c'était notre frère Julia. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, Julia. Non, je lui ai dit de pouvoir rentrer ici. Il est où, Julia, notre frère? Mais c'est ici que j'ai dit de pouvoir venir. Faites-les rentrer ici. C'est pas là-bas en ce moment-ci. Dites-lui qu'il vienne ici. Oui. C'est nécessaire. C'est ici que j'ai dit de pouvoir être. Je travaille là-bas, je ne vais pas entendre là-bas, mais c'est ici que je dois te voir, assis là. Alors, oui, que Dieu le bénisse. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il y en a des gens, effectivement, qui rapportent des choses, qui disent effectivement des choses, alors que nous ne sommes pas là-dedans. Parce que les gens ont eu à pouvoir parler, effectivement, alors à ce moment-là, on nous voit d'une manière, effectivement, bref, je ne vais pas rentrer dedans. Bref, ce qui veut dire que nous devons savoir que nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons avoir de véritables frères, de véritables sœurs. Parce que, je ne sais pas comment expliquer, mais ton frère a besoin de toi. Ta sœur a besoin de toi. Il faut qu'il y ait cette communion. Et puis, il faut éviter ce qu'on appelle l'individualisme. De se mettre toujours à l'écart et d'attendre que les autres viennent vers toi. Non! Toi, va vers eux aussi. C'est normal. Pourquoi tu dois aller vers eux? Parce que tu as quelque chose. Même si tu insultes, même si tu parles, effectivement, montre-lui qu'il y a du bon en toi. Tu t'approches de la personne, tu lui montres l'amour, effectivement. Oublie ce qui t'a insulté. Montre-lui que ce que je veux, c'est que c'est toi, c'est ton âme qui m'intéresse. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur qui est prisonnier ou qui est prisonnière, effectivement. C'est celui-là que je veux. N'adoptez pas, ah tu sais, frère, il m'a insulté beaucoup, mais Dieu soit béni.
Il faut qu'on t'insulte. Parce que tu représentes quelqu'un. Lui, là, on l'a injurié. Si on l'a injurié, mais on doit t'injurier. Injurier n'est pas des points d'injure. Donc, toi aussi, sois comme ça. Il veut te tailler. C'est, vous savez, frères et sœurs, les gens ne comprennent pas en réalité. Que Dieu nous aide. Et regardez, bon, on termine ici, je vais vous lire notre écriture, puis on va prier. Il dit ici, que voulez-vous que je me donne de votre livret? Ils lui payèrent donc 30 pièces d'argent. Vous entendez cela? Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Donc, jeune homme, regarde ici, toi. Je vous ai toujours dit, il ne faut pas regarder à l'extérieur. C'est ici que... Non, toi, Timothée, qui est assis là. C'est toi que je veux que tu regardes ici. C'est important. Alors, regardez très bien. Ici, depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Vous voyez que cette personne, effectivement, quand il a déjà été parlé avec des personnes à l'extérieur, qui sont effectivement, tout le monde, non, on ne vous prêche pas comme nous, nous prêchons, effectivement. Il va venir s'asseoir, il va, vous pouvez prêcher l'évangile, la pure parole, mais il va chercher des fautes. Amen. Pour qu'il aille dire, oui, bien sûr, il cherchait comment trouver, moi, j'ai des fautes, oui. Ah, ah, et puis, tu me dis, ah, vous savez, oh, aujourd'hui, oh, il n'a pas vu ce que Dieu a fait. Et ça, c'est vraiment triste. Cette personne est tentée de vendre son âme, il ne se rend pas compte. C'est exactement la même attitude, le même démon qui était en fait dans Judas. Il ne se satisfait pas d'être là, non. Il écoute effectivement pour quand il va sortir, effectivement, oh, aujourd'hui, oh là là, c'était pas bon, vraiment. Ça part ce qu'on veut pas pour influencer quelqu'un. Ou pour dire effectivement, ah, vous savez ce que vous avez dit là. C'est vrai, j'étais là, j'ai entendu, il a touché ceci, vraiment, ça n'avait rien à voir, c'était comme la bouillabaisse. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il trouve un moyen de pouvoir renforcer effectivement ce qu'il a, les sentiments. Mais maintenant, ayant été là, ayant goûté, ayant même participé à cela. Vous savez, je crois qu'il y a une expérience que je vais quand même vous rappeler. C'est notre frère Branham. C'est important que vous puissiez savoir. Vous savez, il avait un don de discernement. Oui, bien sûr. Authentique et vrai. Alors, les gens de son époque, qui étaient aussi des prédicateurs, ils voulaient montrer aux autres dans les églises, dans lesquelles étaient, par exemple, que c'était un faux, c'était un charlatan, c'était pas quelqu'un qui était de Dieu, ainsi de suite, effectivement. Il y avait un, il dit, moi je vais vous le prouver qu'il n'est pas de Dieu, effectivement. Cet homme est venu, il a pris un papier sur lequel il a écrit toutes sortes de maladies. Alors qu'il est avancé dans la ligne de prière, le frère était déjà fatigué parce que quand il priait pour le malade, évidemment, il était tellement épuisé qu'on le tenait pour l'amener. Pendant qu'il était fatigué, le monsieur insiste, il dit oui, il dit mais, parce qu'il était venu, et puis le frère, il a donné la main au frère, parce que c'est à ce moment-là qu'il avait le devoir sentiment, il a donné la main au frère. Le frère, madame, il dit, monsieur, vous n'avez rien du tout, il sort là, il dit, oh, je vous avais dit, hein. Ça, ce n'est pas de Dieu, c'est cela. Il dit maintenant que je n'ai absolument rien. Et pourtant, il n'avait rien. Il dit, mais parce que sur ma carte, j'avais écrit, effectivement. Puis le frère Bonhomme, quand on l'a mené, il a entendu ce monsieur commencer à pouvoir dire des choses comme cela. Et puis il dit, arrêtez. Il dit, monsieur frère, vous venez. Il donne la main. Le frère dit, mais vous n'avez rien. Il dit, non, voilà. Il n'a pas bien vu. Évidemment, parce que sur mon papier, j'ai bien mis tuberculose, patati, patata, je crois que vous connaissez cela. Alors le frère dit, mais... Tu as voulu montrer effectivement aux gens que je suis un faux, que je ne suis pas un homme qui sert Dieu, effectivement. Et tu es venu mentir parce que tu avais dit ça chez toi là-bas, tu as dit peut-être que je vais le prouver. Et j'ai dit que tu n'as pas de maladie, tu dis effectivement que tu l'as. Alors, puisque tu les as notés sous le bout de papier là, toutes ces maladies-là sont sur toi. Et puis, tu sais ce que Dieu a pouvoir dire au frère, ne l'appelez plus frère. C'est-à-dire que si on te dit de ne plus l'appeler frère, il ne peut pas hériter avec toi. Juste pour que vous puissiez comprendre jusqu'à quel point vous pouvez aller et comment Dieu aussi peut vous traiter. Parce que vous êtes habitué à pouvoir penser, oui, comme on dit, la résistance et tout ça. C'est vrai, hein?
Vous êtes tellement dit, oui, je vais montrer, parce que si je vais montrer que moi je ne crois pas, ce n'est pas un problème. Mais tu es déjà entre les mains de Satan. Il va travailler avec toi. Il va t'amener dans le pire, effectivement. Et en certains moments, effectivement, comme nous le voyons, effectivement, regardez jusqu'à quel point il a été. Il pense que c'était un jeu. Hein? Il avait besoin de l'argent parce qu'il a proposé. Quand on a de l'argent, ce sont quelqu'un de vous avez de très important. Il y est allé, effectivement. Et après, maintenant. Et après, maintenant. Quand il était impossible à ceux qui ont goûté au don du Saint-Esprit et à la bonne parole de Dieu. Pas l'interprétation, mais à la bonne parole de Dieu que vous avez rejetée, que vous avez foulée au pied, rejetée. Et effectivement, eh ben, vous pouvez remarquer une chose que il a pu. Judas l'Iscariote, il a pu faire ce qu'il pouvait faire. C'est disant que, bon, en faisant cela, comme on dit, mais si je me repens, je reçois donc là, le pardon. Je vais vous lire une écriture et puis nous allons prier. Je pense dans les Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, je suppose que c'est cela. Hébreux 12. Vous aimez la parole? Amen. Et Dieu vous bénisse. Ah. Je vais lire quand même une grande partie, comme ça je vous laisse partir. Hein? Bon, je commence à partir du verset 12. Non, verset 1, pardon. Hébreux 12, verset 1. Patient, puis j'en termine de lire et puis nous allons partir. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant donc le regard sur Jésus. Vous y êtes, non? Je voudrais prendre peut-être dans la Bible la vôtre aussi. Oui, pour avoir la même aussi version que vous ici, Hébreux au chapitre 12, c'est qu'on soit dans le même diapason que vous. Voilà, voilà, voilà. Alors il dit, ici voilà. J'étais au verset combien? Verset 2. Alors, verset 2 dit, ici, je vous dis, ayant donc le regard sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, vous entendez bien? Donc, je reviens ici aussi, pour que, parce qu'il y a mes yeux, hein. Voilà, qui était donc réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, vous suivez cela? Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, vous suivez? C'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Parce que si vous ne vous conformez pas comme le monde veut, vous aurez toujours des mépris, des ignominies, des critiques. Oh, ils sont comme des vieux, ils s'habillent comme des vieux, vous êtes comme des vieilles, alors que vous êtes encore jeunes. C'est comme ça que ça commence, hein? Tout ça pourquoi? Pour vous amener à la prostitution? Parce qu'ils aiment bien que vous soyez. Ça, vous ne comprenez pas. Bien sûr que oui. Pourquoi est-ce qu'un patron d'une entreprise vous dit que ses secrétaires portent des mini-jupes? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Vous devenez ainsi silencieux. Et Dieu te bénisse, ma bien-aimée soeur. Et vous aussi, pour plaire au patron, vous vous serrez dans des chiffons qui sont comme des pulls et qui sont ici. Quand vous vous inclinez, vous ne savez même pas tourner les yeux. Et les patrons, ils aiment bien ça. Ah ben oui, vous n'avez jamais posé la question. Mais vous devenez des prostituées. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais vous allez voir un jour, les patrons vont vous approcher. Vous ne voulez pas prendre un petit café? Mais il y a les percolateurs là. Quel autre café que vous voulez? Mais oh, hein, je connais. Il dit, mais les cafés d'ici, là-bas, il a une couleur différente. Il a un goût différent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est vous. Vous, parce qu'il faut qu'on voit, nous sommes à la page. Mais c'est vous. Et ça, vous êtes condamnable. Amen. Je n'ai rien fait. Non, tu es coupable. Amen. Bien sûr que oui. Oh, que Dieu nous aide. Nous continuons ici, dit. Ah, je sais qu'aujourd'hui, le cœur va peut-être me détester. J'en sais rien. Ils sont en colère de dire, ah là 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 là. Verset 3, il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée.
Parce qu'ils vont vous décourager, ces gens. Et quand il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Parce que ça t'accroche à toi. Tu dois résister. Nous devons résister. Frères et sœurs, nous sommes un peuple saint, mis à part. Dieu sait ce qu'il fait. Il dit, verset 5, il dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Donc voilà, si aujourd'hui il te reprend, ne perds pas courage. C'est parce qu'il t'aime, mon frère, oui, ma soeur. C'est parce qu'il voit que tu vas à la prostitution. Il veut que tu reviennes. Il ne veut pas que tu sois offert au monde. Il t'aime, c'est cela. C'est l'amour du Seigneur à ton endroit. Et continue, il dit, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Amen. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Ce qui veut dire que quand tu es un fils, quand tu es une fille de Dieu, il ne va pas te laisser. Amen. Parce qu'il sait que tu lui appartiens. Il va enlever les scories, tout ça. Amen. Et puis il dit, supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt des châtiments, donc si on ne vous châtie pas, auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, aujourd'hui, il ne faut même pas toucher l'enfant parce que l'assistance va venir. On a... Non, mon frère et ma soeur. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Ah, bien sûr que oui. Nous continuons. Ne devons-nous pas donc, à bien faute raison, nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie? Vraiment. Souvent, c'est le problème. La soumission, quand la parole de Dieu vient, sort, c'est la révolte. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons soumis. À respecter ce qu'il a dit, effectivement. Et puis, continue. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Voilà. Afin que nous participions à quoi? À sa sainteté. À quoi? À sa sainteté. À sa sainteté. Pas l'impudicité, pas l'impurité. Non, à la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Et regardez, maintenant nous continuons. Il dit ceci, il dit que Dieu te bénisse. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard. Pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, verset 15, il dit... Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu ne te pousse pas à vivre comme un chien. Non, messieurs, non, madame. La grâce de Dieu vient te donner la possibilité de voir mettre la parole de Dieu en pratique, d'aimer, d'agir comme il se lève ses doigts. C'est cela la grâce de Dieu. Dans le titre, il est dit effectivement. Il te pousse à vivre saintement. Amen. Tout à fait. Ok. Tu ne savais pas être saint? Mais c'est la grâce de Dieu qui me rend saint. C'est pour ça, frères et sœurs, ne résistez pas. Il dit, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que la Bible dit, mais sanctifiez-les par ta vérité. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Quand nous ouvrons nos cœurs, c'est sûr et certain que tout ce monde me dit, mon Dieu, ce n'est pas possible. Je vivais dans ces saletés. Laisse-moi maintenant revenir à toi. Rends-moi saint ou sainte. Écoutez, nous continuons, on dit, mais... Veillez à ce que nous sommes pris pour la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Frère et sœur, vous voulez les félicitations du monde, effectivement. Vous vendez votre droit d'être une fille de Dieu, d'être un fils de Dieu. Vous voulez que le monde vous apprécie, effectivement. Vous voulez que le monde entre en vous. Mais vous savez pas ce que vous avez des prénoms plus grands. Mais vous le vendez. Vous voulez tout le temps ressembler au monde.
tout le temps ressembler aux chanteurs de télévision, aux stars de la télévision, que ce soit les femmes, les hommes, c'est toujours comme ça. Vous voulez vous habiller comme eux, frères et sœurs, ce sont des prostituées. On ne vous a pas demandé de ressembler aux prostituées. Non. Nous avons été taillés à l'image de Christ. On doit ressembler à Christ. Il est saint. Alors soyons saints. On ne doit pas ramener le monde à l'église, frère. C'est dehors que le monde doit se trouver. À l'intérieur, c'est la sainteté. C'est là où Dieu descend. S'il y a un interdit parmi nous, Dieu ne va rien faire. Il faut qu'on enlève tout interdit. Maintenant, nous continuons, puis nous allons nous arrêter. Il dit, je réponds encore ceci, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez, c'est pour nous que vous comprenez maintenant, que ce qui s'est passé avec Judas l'Iscariote. Vous comprenez? Il s'est repenti, il a fait tout ça. Et ici, on nous dit qu'il a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoique il la sollicita avec larmes, car sa repentance n'a pu avoir aucun effet. Voilà, mon frère. C'est cela que vous devez comprendre, frère. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand Dieu vous parle, frères et sœurs, ne résistez pas. Ne venez pas nous montrer que non, je n'écoute pas, mais ce n'est pas un problème. Tu es en train de voir dépasser. Les jours où tu penseras, effectivement, je vais me repentir pour ça, Dieu t'a effacé de la liste. Parce que, vous savez, je crois que c'est dans le livre des Hébreux au chapitre 10, je pense, que nous avons lu. Nous allons peut-être redire un peu une écriture là-dedans. Hébreux au chapitre 10. Je pense que tu es arrivé. Voilà. Verset 25, il dit, non, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, reçu et non pas cru, mais reçu, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est lui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins. Mais de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs de l'Alliance par lesquels il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi donc la rétribution. Amen. Et ça, c'est important que nous comprenions, mon frère et ma sœur, de ne pas fouler aux pieds. Oh, ce sang qui a été versé. C'est pour ça qu'il a dit, et là il a même commencé depuis longtemps, disant, jusqu'à quand clocherez-vous de tes côtés? Si le monde est bon pour vous, allez dans le monde. Si c'est Dieu qui est bon pour vous, alors faites votre choix. Si vous l'avez choisi, c'est Dieu, c'est Jésus que vous dites que vous l'aimez. Alors la Bible nous dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Si vous l'aimez ainsi, alors où serait la place du monde? Je ne crois pas qu'il y aurait une place pour quelqu'un. Non, 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 non. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, vous ne direz pas, je ne viens pas à l'église parce que mon mari n'est pas gentil avec moi. Je ne viens pas à l'église parce que ma femme n'est pas gentille avec moi. Mais votre femme n'est pas la personne que vous aimez de tout votre cœur. N'est pas la personne qui est dans votre cœur. Parce que la personne de votre cœur, c'est Jésus. La femme vient après. Le mari vient après. Les frères viennent. Oh, parce que le frère là, il a dit quelque chose qui ne me plaît pas, qui m'a blessé, donc je ne viens pas à l'assemblée. Mon frère et ma soeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible t'a dit, quel est le plus grand de tous les commandements?
Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul. Tu l'aimeras de tout, ton âme, toute ta pensée, tout ton être. Voici le Seigneur qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme. Mais toi, tu prends ton prochain, tu le places d'abord avant. Il faut d'abord qu'il soit bien en moi pour aimer Dieu. Il y a un problème. Qu'il ne soit pas bien en moi, mais quand j'aime Dieu, tout va bien. Je ne veux pas à l'assemblée parce que le frère est bon avec moi, non, ou la sœur est bien avec moi. Non. Je vais à l'assemblée parce que j'aime le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-vous. Sauve mon âme.